tout le monde. Est-ce que ça marche? Non. Oui, 1, 2, ça marche. Bonjour tout le monde. On va démarrer, on est même à l'heure, c'est incroyable. Il y a un peu d'écho. Je me recule peut-être. Alors si je me mets là, ce sera peut-être mieux. Non. Ouais, c'est mieux. Merci d'être venus si nombreux aujourd'hui. En plus d'avoir la quantité, on a la qualité. Est-ce qu'on peut baisser un peu le son pour l'écho ou pas du tout? D'accord, c'est bon? Ouais. Asseyez-vous, entrez, je vous en prie. Alors, on a la qualité dans la salle de la même façon qu'on l'a dans les intervenants. C'était difficile de sélectionner les 8 ou 9 intervenants qui vont intervenir cet après-midi. Et c'est pour ça qu'on a voulu, sur cette table ronde, faire un format de table ronde. Alors, la configuration s'y prête pas tellement, mais on a triché un peu et on va quand même organiser les échanges de la meilleure façon possible. Vous allez voir comment. Quelques règles, quelques rappels pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. On est évidemment toujours en phase de pandémie. Donc la règle, c'est de garder son masque, c'est ce qu'on doit vous demander, durant la durée de la table ronde. Maintenant, on ne viendra pas vérifier. Et à l'inverse, j'encourage les gens qui prennent la parole, alors que ce soit les présentateurs ou vous, lorsque vous allez intervenir après, je vous invite à enlever le masque, voire même à vous lever et à vous présenter quand vous prenez la parole. Et je dis enlever le masque parce que quand on parle avec le masque, on n'arrive même pas à voir qui parle. Donc je pense que c'est important d'enlever le masque à ce moment-là. On a organisé cette table ronde donc sur la thématique feu extrême, aménagement et prévention, comment faire face aux feux de forêt. On l'a organisé en plusieurs temps. On va commencer avec, vous allez le voir, des gens qui ont une expertise de haut niveau, notamment d'acteurs de terrain qui sont des gens qui connaissent bien, avec des perspectives différentes, le risque feu de forêt dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ils vont nous livrer leur point de vue sur le sujet. Ils connaissent la consigne. La consigne, c'est 5 minutes, pas plus. Et je vous remercie d'avance, mesdames et messieurs, de vous être prêtés au jeu et d'avoir accepté de concilier votre message en si peu de temps. On va avoir les 4 présentations qui vont se succéder. Et puis ensuite, on engagera la discussion. Alors, pour qu'on puisse discuter, comme la configuration de la salle n'est pas parfaite pour ça, on scindera la salle en deux. Donc la deuxième moitié de la salle basculera dans la petite salle qui est à côté, où on a une grande table ronde. La moitié des intervenants basculeront aussi. Vous verrez que les expertises sont complémentaires, donc ça permettra d'avoir des échanges quoi qu'il en soit. Et puis moi je resterai là pour animer la discussion ici, et dans l'autre salle c'est Romain Mathilde qui est là. Romain, si tu peux te lever. Voilà, Romain Mathilde qui travaille avec moi dans la société Warroussen et qui animera les échanges dans la salle d'à côté. J'ai oublié de me présenter, je m'appelle Sébastien Lahaye et moi je travaille au Pôle Safe sur toutes les thématiques feu de forêt et résilience du territoire un peu au-delà, mais sachant que mon expertise de base elle est vraiment sur le domaine du feu de forêt. Je crois avoir fait le tour des règles. Je vais vous présenter encore une personne, c'est Damien Balleureau qui est là. Damien, si tu peux te lever, qui travaille avec moi à Safe, que les intervenants connaissent puisque c'est avec lui que vous avez échangé. Et Damien, il a le difficile rôle d'être le gardien du temps. Donc c'est lui qui va vous faire un 1 quand il ne vous restera plus qu'une minute et qui va vous se lever en vous faisant de grands signes quand le temps sera expiré et qu'il sera temps de passer à l'intervenant suivant. Voilà, allez, sans plus tarder, on va commencer les présentations et je vais vous présenter les intervenants au fur et à mesure. On va commencer par Charles de Rex, que je remercie très vivement d'avoir répondu à l'invitation cet après-midi. Charles est le président d'une association qui s'appelle Forêt Méditerranéenne et qui œuvre activement pour l'intégration des acteurs des solutions autour des thématiques de la forêt en région méditerranéenne. Et à ce titre-là, évidemment, le risque de forêt est un risque que l'association aborde de plus en plus régulièrement. Charles, l'auditoire est à toi. Et merci. Tu as un micro qui est juste à côté. Merci.
Ça marche? Non, ça marche pas. Oui, oui. C'est bon. Ça marche? Ok. Imaginez la question qui m'est posée. Parler de la défense des forêts contre l'incendie en 5 minutes. Comment je vais présenter les 428 recommandations dont nous sommes porteurs à l'Association Forêt Méditerranéenne? Ça va être bien difficile. Donc, je vais en sélectionner 3. Et puis, si on peut les détailler et ouvrir sur d'autres après, ça sera avec plaisir. Face à ce péril des feux de forêt et des méga-feux qui se profilent, je voudrais mettre en lumière 3 propositions. La première, c'est d'afficher une véritable ambition pour la forêt. La forêt n'est pas un milieu condamné à brûler et à faire l'actualité l'été. C'est un milieu qui est porteur de biens, de services, de richesses qui sont très précieux. Et pour y arriver, il faut passer par la gestion, la mise en valeur à la fois de ces espaces et des produits dont ils sont porteurs. Aujourd'hui, le taux de gestion de la forêt méditerranéenne est très faible. On estime, 30% on estime que 30% des forêts font l'objet d'actes de gestion, notamment des coupes de bois, et que 15% seulement sont dotés d'un plan de gestion durable. C'est évidemment très peu, c'est beaucoup trop peu. Donc il faut augmenter le taux de forêts bénéficiant d'une gestion durable. Et pour cela, il va falloir regrouper les propriétaires, parce que cette magnifique forêt qui couvre plus de 50% de l'espace en région méditerranéenne, elle est éparpillée entre un très grand nombre de propriétaires. Donc il faut arriver à les regrouper, et ça n'est pas une tâche facile, et à mettre en place ces actes de gestion qui vont veiller à valoriser tous les biens et les services de la forêt. Le bois et tout ce à quoi peut servir le bois, que ce soit pour la construction, pour l'industrie, pour le chauffage, mais aussi tout le reste, tous les produits de la forêt qui ne sont pas ligneux, les plantes médicinales, les fruits, les champignons, la chasse, etc. Et les services tels que le paysage, que la protection de l'eau, que la rétention du carbone, la qualité de l'air, etc. Donc il faut jouer sur tout ça, et notamment, j'insiste sur un point, puisque ça fait l'actualité de forêt de notre association, c'est ce qu'on appelle l'agro-silvopastoralisme, c'est-à-dire ne pas être coincé sur un objectif strictement forestier, mais savoir reconnaître que ces espaces peuvent accueillir des produits plus agricoles et de l'activité d'élevage, c'est quelque chose qui a façonné les paysages méditerranéens. Pour employer une formation très triviale et tout à fait inappropriée, faisons feu de bois et valorisons la forêt méditerranéenne pour qu'elle soit productrice de ses biens, de ses services, d'activités économiques et évidemment de qualité de vie. C'est mon premier point, j'ai consommé déjà la moitié de ma vie. Le deuxième, c'est une application stricte de la loi. Et là, je voudrais prendre la chicotte du père Cotard. Ça n'est pas possible que l'obligation légale de débroussaillement ne soit appliquée pour 50% des cas selon les départements. Cette obligation impose aux propriétaires de bâtiments en forêt ou à moins de 200 mètres de débroussailler sur 50 ou 100 mètres autour de leur maison. Et toutes les études après incendie ont montré que cette formule était bénéfique et permettait de protéger la maison et que les gens se confinent à l'intérieur et laissent la possibilité aux pompiers de lutter contre le feu. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Une disposition du code forestier tient en 2 lignes, se traduit par un guide technique d'application rédigé par le ministère de l'Agriculture, fait 98 pages en suivi du code de réflexion. La proposition de l'ministère français, c'est de monter cette compétence au niveau intercommunal, au niveau du massif, pour tenir compte du fait que le feu de forêt va concerner des espaces qui dépassent largement la maison et même la commune, et mettre en place un dispositif qui pourrait être calqué sur celui de la GEMAPI, ce dispositif qui donne des pouvoirs à l'intercommunalité pour la gestion des milieux aquatiques et la protection contre les inondations, et mettre en place un système avec une maîtrise d'ouvrage unique, publique,
pour prendre en charge ces travaux. Le troisième point pour les 30 secondes qui me restent, on m'a fait une... Oui, d'accord. Travailler ensemble. Dans le passé, il y avait un réseau qui s'appelait Réseau des cultures, que mon ami Rigolo connaît bien, qui en était le ministère Agira, et qui réunissait les professionnels de la forêt, les gestionnaires, et aussi les scientifiques, les chercheurs, les animateurs, tous ceux qui avaient un rôle à jouer dans la protection de la forêt à travers le futur de son district, et qui a donné des résultats excellents, et qui a mis en place une habitude de travailler ensemble, d'échanger, de profiter des enseignements, les enseignements, et de creuser les questions difficiles par des expérimentations scientifiques, des guides, des laboratoires de projets dans le. Il y a 10 ans, ce réseau a on a considéré que ce réseau avait disparu, il a été arrêté, il faut le remettre en place, élargir ses préoccupations à l'ensemble des questions qui touchent à la décomposition de la santé et tenir compte du changement climatique, de l'augmentation de la biomasse, du mitage qui s'est maintenu, voire qui a augmenté, et des nouvelles demandes de la société. Je pense que si on recrée un tel système de travail en commun, on doit pouvoir aider à faire progresser ces questions éminemment difficiles. Il y aurait bien d'autres choses à dire, mais je m'arrête sur trois points. Valoriser la forêt et lui permettre de jouer son rôle de véritable richesse écologique, sociétale, économique, vous savez. Faire appliquer la loi avec ses damnées obligations légales du département, et puis se réunir sans se faire et mettre en place des actions. Vous demandez ? Si, Charles. On peut l'applaudir. Alors, on va tenter un exercice. On a une intervenante qui a eu un petit problème logistique, qui aurait dû être là, mais qui est à distance. Donc, on va essayer de se connecter avec Florence Sarano. Alors, du coup, il faut basculer là. Et je mets le micro, peut-être. Voilà. Florence, est-ce que tu nous entends ? Oui, je vous entends très bien. J'espère que c'est la même chose. On est en train de régler. Et c'est bon. Je m'éloigne pour qu'on enlève l'écho. Donc Florence Sarano, qui est architecte à l'École nationale d'architecture de Marseille. Il y a un écho terrible, je m'éloigne, mais je crois que ça ne change rien. Et qui va nous parler de ce qu'elle fait avec ses étudiants depuis maintenant quelques années et d'expérience de réappropriation justement de la forêt et des usages. Florence, c'est à toi. Bonjour, donc merci. Là, il y a un écho énorme. Vas-y, essaye, là. J'essaye, donc, voilà, c'est parti, pardon, merci. Voilà, donc, je suis enseignante à l'École d'architecture de Marseille, je suis également urbaniste et je travaille avec les étudiants de master essentiellement sur les territoires ruraux du Var, les communes rurales. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une vision globale et systémique de ces territoires pour imaginer leur avenir. Alors, on est une équipe transdisciplinaire, paysagiste, architecte, spécialiste de la construction en bois. Le principe, c'est qu'on va vivre dans chaque commune. Je prends l'exemple ici de la commune de Rougier avec les étudiants pour faire ce travail sur tout le semestre. Et donc, on s'intéresse évidemment à la trajectoire de ces territoires ruraux et la prise en compte évidemment des changements climatiques, des pertes de biodiversité, de l'impact des métropoles, etc. Et ce qui nous intéresse, c'est dans cette vision globale et systémique de voir quelle peut être la place de l'architecte, pas simplement celui à qui on va dire voilà ce qu'il faut construire, voilà le budget et voilà le site, mais on a des compétences qui nous permettent aussi de participer à la réflexion globale en amont et de se dire qu'un projet d'architecture aujourd'hui n'a de sens que dans la réflexion sur la transition, la prise en compte des risques. Alors, chez nous, ils sont très liés au feu, mais aussi
aux inondations et évidemment ils sont liés aux évolutions des milieux en raison des changements. Donc la compréhension de tous ces facteurs et de tout ce qui intervient dans la trajectoire de l'aménagement du commune nous permet d'évoluer et d'apporter à l'ensemble des réflexions des différentes disciplines nos compétences et finalement de réinterroger aussi nos rôles. Et évidemment, interroger les compétences en tant qu'enseignante, ça veut dire interroger aussi ce que j'enseigne. Mais je dirais que derrière, ce qui est important aussi à considérer, c'est que les écoles sont aussi des laboratoires de réflexion et de recherche et que finalement, chacun de ces ateliers qui s'appuie, qui vient dans une commune va pouvoir tester en fait sur chaque commune avec toutes ses caractéristiques, les possibilités, les réflexions que nous développons. Alors sur la commune de Rougiers, donc voilà, c'est pour montrer très rapidement nos savoir-faire, le principe qu'on va sur place, après on fait tout le travail du semestre et puis après on a un échange et une représentation aux acteurs des territoires dans lesquels on vient s'installer. Nous, on a trois étapes. On fait d'abord un diagnostic où on va s'intéresser autant aux richesses de la commune, que ce soit voilà, les richesses, pas que les richesses bâties, patrimoine, mais aussi les milieux. On travaille donc avec aussi un paysagiste. Et on va s'intéresser aux conflits. Et pour nous, chaque conflit dans une commune est l'opportunité de... C'est le projet qui peut... commencer à partir du conflit. Donc, chaque conflit est finalement une réflexion à avoir et une manière de faire projet qui n'est pas que sur à partir d'avantages. Donc, après, on va définir les enjeux et les opportunités de projet. Puis, on va proposer des scénarios à l'échelle de la commune avant d'arriver à développer certaines parties des scénarios en termes d'édifices, d'aménagements, etc. Donc, c'est vraiment une vision globale et qui va partir de l'histoire de la commune, sa géographie, etc. Je prends l'exemple de Rougiers. C'est un peu des difficultés à s'afficher. Vous voyez cette commune de Rougiers, malgré tout. J'espère que vous voyez ma souris. 85% pratiquement du territoire forestier et puis le village qui s'est étendu petit à petit en se collant à la forêt s'est rapprochée du village et le village s'est rapproché de la forêt. Donc, on fait toujours un travail historique où on voit à différentes étapes de l'histoire l'installation du village, ses relations avec les terres agricoles, avec le massif forestier. Il est un peu lent à s'afficher. Et donc, on s'appuie aussi sur toutes les photos aériennes, mais je vais aboutir à cette double photo où on voit le village donc en 1928. Vous voyez comme il est assez éloigné de la forêt et puis qu'il y a toute une série de cultures entre la forêt et le village. Et puis, petit à petit, sur la photo de droite, le village s'est totalement approché et il est collé complètement à la forêt. Et se poser vraiment cette question de la lisière. Donc, on a fait un travail de réflexion sur la lisière. Donc, ça, c'est la commune. Et on va évaluer tous nos travaux à partir d'un certain nombre de critères. Mais je voudrais vous montrer directement notre travail sur la lisière. Pourquoi ça ne s'affiche pas? Donc, ce à quoi nous avons abouti, c'est de réfléchir à des séries d'espaces comme une lisière épaisse constituée de trois parties avec une partie plus jardinée, une partie plus entretenue et qui fait que... Normalement, ça va s'afficher, hein, mais je ne comprends pas pourquoi c'est si lent. Ce qui permet de mettre à distance la forêt du village. Ce qui nous intéresse dans la question des incendies, des risques d'incendie, en fait, on peut dire que notre démarche, elle s'organise en quatre parties. On pourrait limiter l'architecture à dire, bon, on va faire en sorte que le bâtiment résiste le plus longtemps possible aux incendies. Ça, c'est une chose, donc c'est réfléchir à la manière dont il va être construit. Mais ce qui nous intéresse en amont, c'est de créer des synergies avec les milieux naturels.
C'est-à-dire que réfléchir à la manière dont on va entretenir la forêt pour éviter qu'il y ait des incendies. Donc là, on se situe en amont, avant l'incendie. Et ça veut dire imaginer l'aménagement de la commune en conséquence. Et aussi, prendre soin de ces milieux, c'est les accompagner dans les changements climatiques. Et ça veut dire réfléchir à des aménagements, des programmes. Ça veut dire aussi à la fois accompagner, soigner les milieux, peut-être les réparer à certains endroits et en les accompagnant, éviter les risques d'incendie. Pour nous, l'architecture, elle ne se réduit pas. Là, je parle de l'aménagement général ou de projet. L'architecture, elle ne se réduit pas juste au choix de réglementation anti-incendie, mais c'est aussi penser aux ressources avec lesquelles on va construire le bâtiment. Et donc, ils vont participer à l'entretien de cette forêt. Donc, quel type de bois, etc., quel endroit on va les prendre, et toute cette organisation en amont de la construction de l'édifice est importante. Donc, il y a le travail sur les ressources, le travail sur la résistance aux incendies, mais aussi le choix de programme. Là, on le voit un peu mieux. Donc, on voit les états actuels, les états proposés avec les lisières. Ça, c'est l'exemple d'un étudiant avec une réflexion en amont sur cette forêt polyfonctionnelle, avec tous les acteurs aussi qui interviennent autour de la forêt. Et ça, c'est sur la commune de Rougier, voilà, l'ensemble des projets qui ont été proposés. Et donc, dans cette réflexion sur les programmes, il y avait aussi le redéveloppement, par exemple, comme vous le voyez sur le cercle des communs, des terres agricoles, en utilisant les éléments qui ont servi à entretenir la forêt et qui viennent comme engrais sur les terres agricoles. Donc, ce qui nous intéresse, c'est aussi de voir tous les cycles et les interactions qu'il peut y avoir entre les différents et comment un édifice architectural peut servir finalement de levier à ces actions-là. En lui-même, il va aussi respecter par rapport au choix de ressources, mais en termes programmatiques, il est intéressant parce qu'il permet d'activer des changements. Qui peut être des leviers pour évoluer la commune dans la transition et la protéger contre les risques, à la fois sur les milieux, sur les espaces bâtis et les interactions entre les deux. Je voudrais terminer avec l'importance aussi pour nous de sensibiliser, c'est-à-dire que là, je vous ai parlé de dimensions très techniques ou très constructive ou très programmatique, mais les qualités aussi d'un espace architectural par son esthétique. Je ne sais pas si tu m'entends, Florence. Bon. Si tu nous entends, on a perdu le son sur la fin, mais tu étais en train de faire une transition tout à fait à propos. Merci pour cette présentation, si tu nous entends. Et sinon, on essaiera d'interagir tout à l'heure dans les questions. Je ne promets rien, mais on pourra essayer à l'issue des présentations tout à l'heure. Florence a fait une transition tout à fait à propos. Je pense qu'on peut, basculer sur l'appli. Ah oui, qu'on voit la caméra, voilà. On est parti du point de vue de l'aménagement forestier et des enjeux sur la forêt. On a le point de vue de l'architecte qui vient de nous être donné. Et je crois que Florence a terminé en disant qu'il y avait un enjeu fort sur la sensibilisation et la communication avec le public. Et la transition est toute trouvée pour donner la parole à Madame Laura Carlon de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, du service forêt. Vous allez me modifier si je me trompe ou corriger. Peut-être agriculture et forêt, en tout cas du service forêt de façon sûre. Et notamment qui suit le projet Interreg Maritimo, qui est un projet européen de collaboration transfrontalière qu'elle va nous présenter, je pense. Et on va passer votre présentation. Vous avez
de quoi bouger les slides. J'en profite pour dire que je parle dans le micro, même si vous ne m'entendez pas, mais c'est parce qu'on est retransmis en live sur YouTube. Donc au-delà des 200 personnes qui sont dans cette salle, il y en a 3 ou 4 000 qui nous suivent sur les réseaux sur YouTube. Donc c'est pour ça qu'on parle dans le micro. Et la retransmission est possible grâce à ces messieurs du son à côté. Oui, donc bonjour à tous. Donc moi, je suis Laura Carlon. Effectivement, je travaille au sein du service agriculture et forêt de la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc nous sommes intéressés donc depuis 2018 à l'appui d'un plan politique affirmé sur les incendies. Il faut qu'on fasse quelque chose pour notre région sur ce risque majeur qui devient effectivement plus sérieux, plus grave. Nous nous sommes interrogés donc sur les leviers qu'on pouvait mobiliser pour avoir une action qui puisse intervenir à l'échelle d'un territoire, qui puisse engager d'une part les différents territoires dans une démarche peut-être de sensibilisation, prévention, qui soit à même d'apporter des réponses à la population locale. Et nous nous sommes posé la question de sous quel prisme on allait traiter cette intention politique. Ce qu'on a pu dire, nous, et constater, c'est que Provence-Alpes-Côte d'Azur, on est un territoire à risque. Aujourd'hui, c'est avéré. On a un territoire qui peut peut-être donner certains exemples au reste du pays, en France. Donc, on va essayer de développer des choses nouvelles et on va essayer de le faire avec des partenaires qui font face à ce même risque, mais ont également une forêt qui ressemble à la nôtre, une forêt méditerranéenne dont nous partageons les caractéristiques. Donc on s'est penché du côté de l'Italie pour essayer de voir ce que, en termes de prévention, sensibilisation, ce qui existait de ce côté-ci, pour voir ce que nous pourrions mettre en commun comme force, pour voir ce qui existait comme exemple réussi de projet. Et on a monté donc tout un programme sur 3 années, dont un des projets qui en est issu vise à mieux comprendre ce feu de forêt, mais notamment mieux comprendre le rapport qu'il a à la communication et à la prévention. Comment est-ce qu'on peut s'en emparer? Comment est-ce qu'on en fait quelque chose? Comment est-ce qu'on le décline opérationnellement? Oui, sinon vous pouvez la baisser. Je vous remercie. Donc, un des leviers qu'on a souhaité investir, c'était donc ce levier de la communication, de la prévention, parce qu'on a étudié un peu les différentes phases de gestion du risque. Nous, en tant que collectivité, on ne va pas aller intervenir directement sur de la lutte. Bien sûr, ça c'est le trait des opérationnels. Nous, on va essayer d'agir un petit peu en amont sur quelque chose qui, en termes de communication, puisse avoir un impact justement à cette échelle régionale. Et on s'est posé cette question préliminairement en faisant tout un travail d'étude justement conduit avec l'association Forêt Méditerranéenne. Et donc j'en profite pour remercier Denise Axfantidis, voilà, qui s'est penchée sur cette question depuis déjà un an et demi avec nous sur ces feux de forêt. On commence à bien les connaître, mais il y a tout un processus que nous, voilà, sur lequel on a travaillé et qui a plutôt attrait à la culture du risque, sur tout un processus qui nous a conduit à nous dire bon, on va mieux faire connaître cet aléa. On commence à bien le comprendre. Et de là, on va essayer d'engager des dynamiques pour mieux se préparer au risque, afin de complètement s'approprier le phénomène, mais surtout d'intégrer, maîtriser les bons comportements. Et ça a été notre objectif final. On s'est dit, comment est-ce qu'on arrive à, faire en sorte que ces bons comportements soient mieux intégrés à l'échelle des territoires et de la population. Donc au préalable, voilà, on a mené tout un travail d'études sur les stratégies, les typologies de communication. Comment est-ce qu'on fait de la prévention? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Est-ce qu'on parle un langage commun? Quelles sont les représentations des différents publics qui investissent nos territoires? Et comment cela impacte notre rapport au risque et la gestion qu'on en fait? De ce travail-ci, on a ciblé des publics qu'on avait en commun, notamment avec nos partenaires italiens, et on s'est dit... Effectivement, il y a un public jeune à aller sensibiliser. C'est un public qui, aujourd'hui, est en capacité de se saisir des leviers de la prévention et qui, aujourd'hui, devient très conscient et a envie d'être acteur de cette dynamique. Et donc, on a souhaité adapter nos moyens d'action.
Donc on a par exemple réalisé toute une campagne de prévention franco-italienne de part et d'autre de la frontière, une campagne commune qu'on a réalisée en français et en italien. Je vous montrerai un petit spot à ce sujet qu'on a fait sur les feux extrêmes. Je vous le montre dans la slide d'après. Et au-delà de cibler ces publics pour lesquels on va décliner donc certaines actions, ça c'est ce qui va venir dans un second temps, hein, on a réfléchi du coup aussi aux actions qui existaient déjà et qui pouvaient intéresser les territoires et prendre une certaine ampleur pour développer cette prévention du coup face au risque feux de forêt. On a notamment pu susciter de l'intérêt du côté de l'Italie sur la garde régionale forestière que nous on met en place ici en Provence-Alpes-Côte d'Azur. 160 jeunes qui patrouillent en abord de massif l'été sur la base d'une dynamique volontaire, hein, qui sont rémunérés pour cela, qui travaillent en partenariat avec les parcs naturels de la région et qui conduisent des missions de prévention, de surveillance et également d'alerte lorsque cela est nécessaire, hein, et qui conduisent donc tout ce travail de prévention au contact direct de l'usager de la forêt. Hop, pas de problème. Je vous propose d'appuyer sur le play de, si vous pouvez, Sébastien, merci. Un exemple de campagne de prévention et de spot qu'on a développé ici sur les méga-feux. Il y a un play, ouais, qui arrive normalement. Voilà, ici. Super. Ah. Bon, il n'y a pas le son. C'est pas grave. Ça vous donne une idée. Hein. Donc voilà, on a développé 6 spots de prévention sur les sujets que vous voyez sur la vidéo. Sur le sujet que vous, sur notamment les sujets que vous voyez sur la droite, celui-ci c'était sur les méga-feux notamment. Et donc voilà, une campagne qui a eu un certain succès. On a, donc la campagne, elle s'est terminée mi-septembre. On est en train de récolter les chiffres, voilà, et destinée donc aux jeunes adultes. Je vous parle juste d'une dernière dynamique qu'on a pu développer, voilà, pour les territoires. C'est notamment le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt qu'on va bientôt lancer au bénéfice des territoires, donc communes, intercommunalités, parcs naturels, associations, établissements publics, dans l'optique de leur proposer de monter des projets partenariaux intercommunaux en réponse au risque incendie. Ils pourront investir les phases de prévention, de surveillance, d'alerte et le post-incendie pour bénéficier, si vous voulez, d'un accompagnement juridique et technique pour monter des projets de prévention ou sur l'ensemble de ces phases et nous proposer des solutions nouvelles pour pouvoir du coup mieux s'approprier cette culture du risque ou mettre en place des solutions innovantes, technologiques, des méthodologies afin de lever les freins que peuvent connaître ces territoires sur la mise en place de projets partenariaux sur ce registre. Je m'arrête ici, voilà, toute une série d'actions qu'on développe, mais je vais m'arrêter ici pour laisser la parole au prochain intervenant. Merci Laura de cette présentation, et on voit que les pouvoirs publics, à commencer par la région, se sont vraiment saisis du risque et s'engagent dans des actions qui sont vraiment très concrètes. Alors pour terminer, Laura Carlon a fait le lien et a évoqué le terme. Il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, c'est celui de la restauration post-incendie. Et on va donc terminer cette première phase de la table ronde avec Hubert Davezac de Castera. Hubert qui est gérant de l'agence MTDA, qui travaille sur le risque feu de forêt depuis maintenant un certain nombre d'années, qui a développé une expertise sur le sujet. Et qui s'est notamment intéressé pour le bénéfice de la collectivité de Martigues sur l'aspect de la restauration et qu'est-ce qu'on fait sur le post-incendie. J'essaie d'apparaître sur la caméra, ça y est. Après les incendies des campings de Martigues l'année dernière. Oui, je mets la présentation. Les 45 diapos en 5 minutes, ça va être sport, mais je vais y arriver. Donc je suis en effet directeur de l'agence MTDA, c'est un bureau d'études qui a été créé en 1987, donc plus de 30 ans, et qui travaille notamment sur la prévention des incendies de forêt. Ce n'est pas le seul domaine d'activité, mais aussi la forêt, l'écologie, et aussi tout ce qui est les problématiques de stratégie carbone, hein, qui sont des stratégies aussi pas mal d'actualité. La mission là, que je vous présente, c'est une expertise qu'on a réalisée pour le compte de la ville de Martigues, suite au passage du feu du 4 et 5 août 2020, qui a parcouru 900 hectares, hein, sur la commune, et qui a détruit intégralement deux campings,
face à cette problématique, il y avait la réflexion de se dire comment on reconstruit, comment on repart sur un quartier, est-ce qu'on réaménage le quartier de la même façon. Et vous imaginez bien que les services de l'État sont très regardants sur la façon dont on va, on va dire projeter le développement de ce quartier-là au regard de l'expérience qui s'est passée. Merci. Alors, Martigues est à 3800 à peu près hectares d'espace naturel. Et vous avez en bas la petite carte qu'on a faite là, sur l'historique des feux. Alors, vous voyez, il y a plein de couleurs un peu sur toute la commune, parce qu'en fait, la commune a été, par le passé, en fait, j'ai envie de dire martyrisée, hein, enfin, traversée par tous ces incendies. Et on voit que le feu qui ressort un petit peu plus en rouge, c'est le feu justement du d'août 2020, qui a parcouru 900 hectares, qui a détruit bien sûr les deux campings qu'on évoque, et qui a entraîné l'évacuation de 2000 personnes par la mer. C'est assez particulier comme intervention. Et la spécificité de cet incendie, c'est qu'il a brûlé des secteurs qui n'avaient pas brûlé lors du précédent incendie, qui était exactement sur le même contour. Donc, enfin, pas exactement sur le même contour, vous avez compris, parce qu'il y a des secteurs qui ont brûlé alors qu'ils n'avaient pas brûlé par le passé, retraçant finalement un petit peu l'évolution du phénomène, le côté plutôt, on va dire, le fait que les choses... En pire, on a des secteurs agricoles, des zones agricoles qui ont été parcourues par le feu et traversées par le feu, là où, par le passé, ces secteurs avaient été sautés. Diapo, s'il te plaît. Alors, l'étude qu'on réalise, en fait, s'insère dans une stratégie communale un petit peu plus large, une volonté vraiment de mettre en place un programme de gestion des incendies. J'excuse Anne-Laure Roux, qui est du service urbanisme, avec qui je travaille sur ce dossier-là, qui ne pouvait pas. Elle est justement mobilisée aujourd'hui sur une réunion sur le plan de prévention des risques sur la commune de Martigues avec les services de l'État. Mais donc elle m'a fait passer les éléments du plan de défendabilité, qui est la stratégie qu'a mis en place la collectivité de Martigues suite à ces incendies. Cette stratégie repose sur trois axes de travail. Le premier axe, c'est tout ce qui est études et partenariats, et l'étude que nous réalisons s'intègre complètement dans ce cadre-là. Et puis des axes que vous voyez, hein, de renouvellement de l'aménagement forestier. Donc ça fait le lien avec les éléments qui ont été évoqués par les précédentes interventions. Donc une attention sur la forêt, un aménagement de la forêt, le PIDAF, hein, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, plan intercommunal d'aménagement forestier, qui vise à équiper les massifs forestiers pour qu'on puisse intervenir plus facilement dans les massifs forestiers. Un travail aussi sur les obligations légales de débroussaillement sur les différents quartiers et les parcs de la commune. Des actions civicoles, travail sur les pistes, et puis aussi travail sur les OLD. Ce sont des sujets qui ont été abordés par les précédents intervenants. Alors, là, on va rentrer vraiment dans le détail. Hein. Je vais vous montrer deux, trois illustrations de ce qui est ressorti de cette étude. Donc voilà, ça, c'est l'état des lieux, hein, après le passage du feu des campings. Donc, un triste état des lieux qui ressemble à des choses qu'on ne connaît pas beaucoup, mais qu'on voit de plus en plus dans les médias, malheureusement. Qu'est-ce qu'on a proposé pour réhabiliter le quartier et envisager une reconquête de ce quartier? Alors d'abord, des aménagements que j'ai appelés externes, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas propres à l'emprise des campings. La première chose, c'est tout simplement cette zone que vous voyez en vert ici, qui est une zone, une coupure de combustible. Le retour d'expérience sur le feu qui a pu être fait avec les services de lutte a montré que la forêt était arrivée très très proche. Et quand on voit certaines photos justement du site, on voit qu'il y a des arbres qui étaient à proximité directe des campings qui ont brûlé. Donc l'idée, c'est de faire reculer la forêt tout simplement plus loin. Hein, ça fait un peu le lien aussi avec l'intervention de l'architecte sur le traitement de la lisière. Donc le fait de reculer cette forêt avec une coupure de combustible qu'on va aménager en culture. Donc là, il y a un travail avec le monde agricole pour essayer de construire cette interface. Et puis, ce qu'on fait, en fait classiquement en DFCI, hein, donc coupure de combustible, des pistes et des points d'eau. Donc ça a été voilà, l'objet du travail, de savoir qu'on va faire passer une piste pour faire une liaison est-ouest, la création d'un point d'eau pour améliorer la défense en eau du secteur. Voilà, en quelques mots, les éléments externes. Et puis, je vais passer un petit peu plus rapidement sur les autres aspects. La dépôt d'avant, on a quand même maintenu, fort de l'expérience, hein, de ce besoin en tout cas d'évacuer les gens par la mer, des zones en fait, des zones dégagées pour s'assurer que les gens qui soient évacués le soient en bonne condition. Et je profite des 10 secondes qui me restent en dépassement de mon temps de parole pour vous parler des travaux qui ont été faits aussi à l'intérieur des campings sur la diminution du combustible, sur l'amélioration de l'accessibilité pour entrer et sortir des campings en lien avec la jonction Est-Ouest, l'amélioration des points d'eau. Et puis la diapo d'après, s'il te plaît.
Voilà, et un gros travail aussi sur les réserves d'hydrocarbures. Le retour d'expérience des pompiers montrait que lorsqu'ils sont intervenus sur le site, ils ont dû rebrousser chemin parce qu'il y avait une explosion, un feu d'artifice en fait de bouteilles de gaz. Donc un travail, une réflexion voilà, sur comment en fait mettre en sorte que ces bouteilles de gaz en fait n'explosent plus. L'espacement des bungalows, des murs de séparation entre le camping et l'interface Fort Habitat. Et puis je crois qu'il y a encore quelques éléments voilà, sur les matériaux constructifs. Là, il y a un gros travail aussi qui a été fait, un benchmark qui a été fait pour voir est-ce qu'il y a des constructeurs aujourd'hui qui sont en mesure de construire des bungalows qui ont une résistance au feu un peu plus importante que ceux qu'on trouve habituellement. L'image que vous avez à l'écran montre en fait, l'impact en fait, de la chaleur sur ces matériaux. Des aspects plus opérationnels, révision du plan communal de sauvegarde, des équipements fonctionnels en cas d'évacuation, et puis bien sûr d'inscrire en fait tous ces éléments-là dans le temps et dans la pérennité, enfin avec une certaine pérennité pour que finalement cette résilience soit intégrée et un peu sécurisée dans différents documents nécessaires. Voilà en guise de synthèse, merci de votre attention. Merci, on peut l'applaudir. Merci Hubert. Alors merci pour ces quatre points de vue très riches et très complémentaires. Je vous propose maintenant d'ouvrir la discussion. Et encore une fois, même si on a un peu moins de monde dans la salle, je pense que ça sera plus convivial si on le fait en groupe encore plus restreint. Donc ce que je vous propose, c'est que... Oui. Non, après. Non, tu passeras après, François. Chacun son tour. tu passeras tout à l'heure devant toute l'Assemblée. Ce que je vous propose, c'est que la moitié arrière de la salle, par exemple, bascule dans la salle qui est de l'autre côté avec Romain et puis avec, par exemple, alors Denise, qui représente Forêt Méditerranéenne, va pouvoir aller là-bas et Charles va rester ici. Pour la région, si Elsa reste ici, Madame Bardiassant peut passer de l'autre côté. Hubert, tu peux par exemple rester ici. Et puis, je suis convaincu que parmi vous, il y a des gens qui auront des choses à dire en lien avec le sujet. Donc l'idée, c'est tout simplement d'être dans un format plus convivial de table ronde et d'engager la discussion, d'échanger sur les thématiques qui ont été abordées jusqu'ici. On a 20 bonnes minutes pour ça. On se retrouve dans une demi-heure en salle complète ici. Voilà. Alors les premiers rangs, je vous propose de rester là. Et puis, ouais, c'est ça. Tu es normalement la porte ouverte. Du coup, tu as plus de chaises qu'il n'en faut, mais c'est bien. Ça va permettre de... Comment ? Il fonctionne s'il n'avait pas été appairé. Ah d'accord, il n'était pas. Ah, d'accord, ouais. Ok, bon, bah, c'est bon, mais là on passe plus de diapos pour le moment, donc c'est bon, pour tout à l'heure, merci. Ouais, ouais, en demi-groupe, là, ouais. Bien, bah, écoutez, encore une fois, on a. Vous connaissez maintenant trois des intervenants, plus Florence qui est à distance, mais je ne sais pas si elle nous entend, ça m'étonnerait. Je sais que dans la salle, il y a aussi des gens qui ont des expériences très complémentaires et qui peuvent nous apporter des choses. Donc, je vous invite vraiment à ouvrir la discussion et à échanger sur ces thématiques, des enjeux régionaux dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur autour du risque d'incendie de forêt et les différents éléments qu'on a vus, c'est-à-dire de l'aménagement, des questions d'aménagement forestier, d'aménagement aux interfaces forêt-habitat et puis d'aller dans la réflexion jusqu'à la question sur quelles solutions pour protéger les populations face au risque dans les années qui viennent face au feu. Voilà. Je vous laisse intervenir, je ne sais pas qui veut poser la première question ou faire la première intervention. Oui, alors si vous pouvez enlever le masque et vous présenter, comme ça... Donc, moi j'ai une question toute simple, Marc Rigolo, Fondation Maïf, je suis intervenu ce matin. Oui, merci Marc Rigolo, Fondation Maïf. J'ai juste une question toute simple. En général, quand on met en place des actions ou quand on veut faire changer des comportements, vous avez parlé du débroussaillement, etc., etc., il y a un point qui est essentiel, je dirais presque fondamental, c'est la mesure. Mesurer les résultats de l'action qu'on a engagée, qu'on a entrepris, que ce soit de la communication, etc. Or, dans tout ce que vous avez dit, j'entends jamais parler de mesure. Il me semble que ça doit être, dans l'organisation d'un projet, 30%, 40%, 50% du projet, la mesure. Parce que finalement, quand on ne mesure pas,
on n'est pas certain de l'efficacité de ce qu'on fait. On perd beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent et parfois sans grande réussite derrière. Et ça peut conduire à des comportements qui ne changent pas. Donc, je pense que c'est un point hyper important. Et voilà, donc c'est une interrogation. Je suis assez surpris qu'on ne parle pas de mesure de l'action parce qu'il faut certainement corriger. Nous, on sait dans les travaux qu'on fait que les actions de type que je vais qualifier de rationnelles, qui font appel à la raison, fonctionnent mal aujourd'hui. Et donc, il faut chercher d'autres types d'actions qui ne font pas appel à la raison. Voilà. Donc, pour simplifier un peu le... Voilà. Je ne sais pas qui veut répondre, mais voilà, c'est une question de si candidat. La région veut évoquer ce point, s'il y a des choses qui ont été prévues sur ce sujet dans le projet. Merci. Non, effectivement, c'est tout... Nous qui avons débuté en cherchant à investir ce pan-là, parce que ce pan de la communication, de la sensibilisation qui particulièrement correspondait à nos compétences et sur un champ sur lequel on pouvait agir, on s'est fixé effectivement des éléments d'évaluation, par exemple, notamment lorsqu'on on lance cette campagne de communication et de prévention. C'était très... On a beaucoup réfléchi à ça parce qu'on s'est dit quel est l'intérêt d'aller investir une action de ce type-là. Est-ce que ça va avoir du succès, est-ce que ça va être regardé par les jeunes, hein, parce que c'était notre public premier. Donc nous, effectivement, associés à cette démarche-là, on a mis en place tout un plan média associé à notre campagne de communication qui ciblait les jeunes. Donc on est allé cibler les réseaux des jeunes, les horaires des jeunes, etc. Et donc on a travaillé effectivement avec un bureau d'études en communication qui nous a donné les bonnes pistes, les bons réseaux, les bons médias pour aller nous adresser à ce public en particulier. On a aujourd'hui, donc, on a des premiers chiffres d'évaluation de ce type de campagne qui sont assez positifs. Après, la campagne s'est terminée mi-septembre. On est encore en train de capitaliser ça et de regarder avec nos collègues italiens combien de fois elle a été vue, hein, par exemple. Sur un projet de type communication campagne, c'est assez facile à évaluer. Aujourd'hui, on arrive à bien les mesurer. En général, quand on fait une campagne, elle a un objectif. Par exemple, faire en sorte que les élus fassent ceci, faire en sorte que les riverains fassent du débroussaillage. Est-ce qu'on mesure si cette campagne a un effet sur ces choses-là? C'est ça l'essentiel, c'est ça que je veux dire. Alors peut-être le DIG veut intervenir sur cette question de la mesure et la réaction de la population. Bonjour, capitaine Gaillard du ZIS-13. Donc moi, je suis chef de service aménagement du territoire pour le ZIS-13, donc toutes les communes des Bouches-du-Rhône hors Marseille, qui est défendu par le bataillon. Sur la mesure, on a bien compris la question, notamment au niveau assurantiel, puisque maintenant on a intégré dans nos documents de planification à venir sur nos moyens, nos doctrines, nos matériels, le coût du sauvé. C'est-à-dire qu'en gros, on reprend le principe assurantiel en disant ce matin, vous disiez, il n'y a que 14 maisons qui brûlent ou une trentaine de maisons qui brûlent, mais pourquoi il n'y en a pas plus qui brûlent? Il n'y en a pas plus qui brûlent parce qu'on a fait des mesures préventives. Donc de part, Uber, c'est aussi des plans de prévention du risque incendie de forêt menés par les pouvoirs publics. Dans les Bouches-du-Rhône, la particularité, c'est le porté à connaissance feu de forêt, qui est un espèce de PPR allégé pour sensibiliser les élus à intégrer ce risque-là dans leurs documents d'urbanisme, les PLU notamment, pour qu'ils prennent en compte la défendabilité dont on parlait tout à l'heure, les points d'incendie et les accès. Donc ça se mesure, clairement, sur le feu de Rognac, par exemple, de 2016. Il y avait plus de 2000 bâtis dans le tracé du feu et on a une trentaine de maisons impactées. Voilà. Donc les 2000 autres, elles n'ont pas été protégées par l'action du Saint-Esprit. Si seulement, mais ce n'est pas le cas. Elles ont été protégées en partie, on l'a vu, sur les retours d'expérience menés par les services préfectoraux et nos services. On parlait tout à l'heure de réseau avec monsieur, mais il y en a encore dans ce domaine-là notamment, où ils ont fait le tour du tracé du feu et ils ont pu déterminer en quoi elles avaient été protégées, soit par l'action des sapeurs-pompiers, parce qu'on en a bien sauvé au moins la moitié. Je pense qu'il y a un bon millier qui ont été sauvés par nos actions, sauf qu'on ne peut pas se démultiplier non plus. Donc
Tout n'est pas défendable, hein. C'est pas parce que c'est défendable que ce sera défendu, puisqu'il y a un manque de moyens aussi. À un moment, ben, on peut pas extendre, quand vous avez 1900 personnels, vous pouvez pas monter à 4000 comme ça dans la minute, hein, le temps que ça se mette en place. Et il y a bien évidemment les mesures de prévention, donc ces accès, ces points d'eau et ce débroussaillement qui permettent, de par leur simple action, d'autoprotéger les bâtiments. Donc voilà, les mesures, elles sont faites. Ça fait maintenant l'objet de retours d'expérience assez fins, notamment, enfin, je parle pour les Bouches-du-Rhône, hein, les autres départements, je ne sais pas exactement. Mais chez nous, maintenant, on a cette intégration du coût du sauvé sur chaque incendie où on vient confronter, entre guillemets, le coût du dispositif préventif. Hein, à chaque fois qu'on met des camions dehors avec du personnel qu'il faut payer, parce que c'est pas gratuit, hein, ils sortent de chez eux, ils sont au travail, donc il faut ou sur leur cadre sapeur-pompier volontaire, donc là, il faut des indemnités, il faut payer l'essence, il faut payer les pneus des engins, la nourriture s'ils restent plus longtemps. Il y a tout ce côté-là à prendre en compte. Quand il y a des renforts extérieurs qui viennent, c'est un coût aussi. Auquel on dégrève, hein, forcément, bah, ce qui a été sauvé. Donc nous, hein, au coût global pour le dernier schéma départemental d'analyse et de couverture des risques des Bouches-du-Rhône, donc multi-risque, hein, pour l'établissement, sur une année, on est à peu près à 5 milliards d'économisés pour la société, d'accord, au titre des actions du 10-13. Voilà. Donc quand vous protégez un vapocracker sur la zone de fosse, quand c'est 1 milliard d'euros le vapocracker, quand vous en protégez 2 ou 3, je pense que vous avez gagné la journée... Quand on posait la question du coût des services publics, hein, je parle pour ma paroisse, mais en priori, selon mes collègues, on est rentable. Au bout d'une semaine, le 10-13 est rentable. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui est rentable à si court terme. Donc, j'en fais la publicité, mais c'est une doctrine qui, maintenant, prend son sens, parce que si on veut mettre les moyens, que ce soit la région, le département ou autre, il faut aussi qu'on explique qu'en fait, la sécurité, ça peut coûter cher, hein, là, préserver des vies ou des biens, mais derrière, forcément, on y gagne quand même beaucoup, beaucoup plus. Hein. Sans parler de ce qui n'est pas mesurable, hein, les paysages, hein, l'atteinte aux paysages, la faune, la flore, pareil, c'est pas quantifiable. Hein, quand on voit ce qui s'est passé, par exemple, en Australie, avec milliards d'animaux, peut-être, qui ont péri dans ces feux-là, bon, c'est des choses, si on commence vraiment à tout accumuler, le coût de la lutte, il est vraiment dérisoire par rapport à ce qui est sauvé, quoi. Donc ça vaut le coup d'investir et de faire ces actions-là pour qu'à terme, ben, préserver tout ce système-là. Merci, et c'est intéressant de voir qu'en effet le SDIS des Bouches-du-Rhône, qui est d'ailleurs assez, je pense, à la pointe sur ce sujet-là, commence à quantifier le coût du sauvé. C'est une démarche que finalement on n'a pas fait en France jusqu'à maintenant. On n'est pas très bon pour ça. Les Américains font ça depuis très longtemps. Nous, on découvre. Et évidemment, les chiffres sont assez rapidement là. Je crois que tu as dit quelque chose d'important aussi en amont, c'est que face à ces feux, aujourd'hui, les sapeurs-pompiers, quoi qu'il en soit, ne sont plus en mesure de tout protéger. Et ça, c'est vraiment le constat que l'on fait depuis quelques années, que les étrangers ont fait depuis très longtemps, mais c'est toujours d'une évidence. Et même si, en effet, le coût de la lutte est dérisoire par rapport au coût du sauvé, le coût de la prévention en amont, lui, reste malheureusement disproportionné par rapport au coût investi sur la lutte. Et aujourd'hui, le levier, il est clairement là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et je pense que Charles pourra rebondir là-dessus, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'intérêt pour nous, c'est de se pencher sur ces questions de prévention, parce qu'on est convaincu, et je pense que le lieutenant-colonel Chassin reviendra dessus tout à l'heure, que face aux feux extrêmes, les sapeurs-pompiers ne seront pas en mesure de protéger tout le monde s'il n'y a pas de prévention en amont. Charles. Merci. D'où la nécessité de protéger les enjeux a priori. Alors, je voudrais faire une remarque générale sur le type d'exercice qui nous est proposé. N'essayons pas de faire croire que nous faisons aujourd'hui tout ce qu'il faut pour régler les problèmes. Capitaine, vous avez raison, beaucoup de choses sont faites. Merci, bravo. Mais le problème reste dans une dimension tragique et dramatique, donc il y a encore des choses à faire. Et vous avez raison, monsieur, quand vous dites qu'il faudrait mesurer. Moi, je dirais objectiver, parce que mesurer, c'est pas toujours possible. On a des éléments de mesure, le capitaine vient d'en donner. Il y a cette estimation qui a été faite sur les obligations légales de débroussaillement. Le ministère de l'Agriculture vient de faire un travail là-dessus, dégageant du temps d'un personnel pour essayer d'affiner ce décompte des obligations légales effectivement appliquées. Il n'y est pas arrivé. Et il reste sur cette fourchette de 30 à 50%, tellement il est difficile d'arriver à mesurer exactement ce qui est fait. Mais déjà, c'est un chiffre qui montre qu'on est très en dessous
de ce qu'il faudrait faire. Ajoutons à ça pour objectiver les fameux rétex qui sont positifs sur la réalisation du débroussaillement, je le disais tout à l'heure, et aussi cette étude qui a été faite par l'Office national des forêts qui montre qu'il y a 500 000 maisons qui sont aujourd'hui situées dans des secteurs très exposés au risque feu de forêt sur l'ensemble de la zone méditerranéenne. À 3 personnes par maison, ça fait 1 500 000 personnes, à 4, ça fait 2 millions. Donc il faut agir. Il faut agir là-dessus. Et je faisais une proposition, on peut revenir dessus si vous voulez. Bravo pour l'intégration du coût du sauvé. Ce que je souhaiterais aussi, c'est qu'on fasse un calcul du coût réel de l'incendie de forêt, c'est-à-dire toutes les dépenses qui ont été faites pour la lutte, pour la prévention et avec la destruction des maisons. Alors les vies humaines, je crois qu'il y a des moyens, si vous êtes de l'assurance, vous savez les calculer, et aussi les forêts, et tout ce qui est perdu au niveau de l'écologie avec l'incendie de forêt. C'est aussi un travail qui est demandé depuis longtemps et qui servirait à justifier ce que disait Sébastien tout à l'heure, qu'on devrait renforcer les budgets pour la prévention pour éviter d'en arriver là. Merci Charles. Fabrice, tu veux dire un mot là-dessus ou... Moi, j'avais préparé très, très rapidement. Déjà, bonjour, pardon. Fabrice Chassagne, je suis en charge des feux de forêt à la Direction Générale de la Sécurité Civile. La manière dont nous, on envisage la chose, c'est que, bon, là, effectivement, les débats tournent autour de là, mais il n'y a pas que la forêt, en fait. Il n'y a pas que la forêt à protéger. Et que les services d'incendie et de secours le savent. Hein. Maintenant, certes, il y a la forêt, mais il y a aussi beaucoup de continuums de végétation qui sont autres que la forêt. Et pour l'instant, on est en train de perdre le focus sur ce qui est générateur d'intervention chez nous, ici aussi. C'est-à-dire qu'on n'intervient pas que dans la forêt pour la forêt, mais aussi pour d'immenses espaces agricoles ou des friches industrielles ou des délaissés. Ça génère de l'activité opérationnelle pour les sapeurs-pompiers et pour la sécurité civile et qui obère les capacités d'intervention sur ce dont on est en train de parler depuis le début, c'est-à-dire la forêt. Donc c'était ma première intervention par rapport à ce que vous disiez, M. Derek, c'est certes la forêt, mais quid du reste? Et ça fait le lien avec le deuxième objet, madame qui nous a parlé d'architecture, l'interfaçage entre la forêt et les villes de surface agricole. D'accord, quel type? Et est-ce qu'il ne s'agirait pas de type agricole qui serait en plus génératrice non seulement de départ de feu, mais en plus de continuité? Et si on superpose la couche nouvelle pratique agricole, c'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, avant, je crois que c'était monsieur, avant certaines superficies agricoles, parce qu'elles étaient traitées d'une certaine manière, notamment avec beaucoup de produits phytosanitaires, étaient pyrorésistantes, on le savait tous très bien. Maintenant, elles ne le sont plus parce que les pratiques bio font que, bah, en fait, on a des grands continuums. Donc, en fait, il y a plein d'idées, mais en fait, ça rejoint toujours le même esprit ou la même remarque que je me faisais, que je vais vous dire après. C'est-à-dire que certes, on prend en compte la forêt, on veut protéger l'habitat par rapport aux feux de forêt qui se déplaceraient, mais quid de l'inverse en fait? C'est-à-dire que pourquoi ne pas aménager des parcelles ou des interfaces qui seraient peu génératrices de feux pour la forêt? Et c'est un peu comme ça qu'on l'envisage. Certes, il faut protéger les biens et les personnes, il n'y a pas de problème avec ça. Il faut protéger les interfaces, mais aussi ne pas augmenter la quantité de feux générateurs. Le troisième point, pour vous madame, j'avais une question, si la campagne de com que vous aviez faite, qui a priori a porté ses fruits, était aussi adossée à celle qui avait été faite par le ministère de la Transition écologique et qui cette année avait été étendue, même l'année dernière je crois, avait été étendue au territoire national. Donc là c'était encore un plus, c'est-à-dire qu'il y avait du transfrontalier, donc il y avait peut-être une logique de massif qui aurait pu être intéressante pour tout le monde. Et le quatrième point, pour rebondir aussi à ce que disait monsieur, des faits générateurs, de la quantification de faits générateurs, on peut en avoir. Si on associe bêtement et peut-être un petit peu à la serpette, la prévention et le nombre de départs de feu. Vous avez montré sur le feu de Martigues, on pourrait reprendre les mêmes cartes sur le feu du Var ou même sur le plateau de l'Arbois. C'est les mêmes contours de feu à 10 ans d'intervalle. Donc là, si on veut quantifier un effet... Donc effectivement, on a retraité le massif, on a refait des pistes de FCI, on a réaménagé les points d'eau, mais est-ce que c'est pas, au regard des vitesses de propagation auxquelles on aura affaire, est-ce que c'est pas une version déjà un peu périmée de la lutte des FCI? Et est-ce que le fait générateur dans le départ de feu, comme là le mégot de bord d'autoroute, est-ce que celui-là il est pris en compte plutôt que de reconstruire derrière un massif mieux aménagé, mais qui, au regard des vitesses de propagation et des cinétiques ou des puissances de feu, est déjà sous-dimensionné.
Donc c'est absolument pas une... Enfin voilà, je me suis permis de noter quelques points, c'est vraiment dans l'échange, je ne veux pas apparaître pour celui qui pointe du doigt, mais c'est vraiment pour faire avancer la réflexion, et notamment la mienne. Et je me pose beaucoup de questions sur tous ces sujets-là. Merci. Merci Fabrice, et je pense que les questions sont vraiment à propos et elles permettent vraiment d'échanger sur ce qui est le thème de la discussion. Alors je ne sais pas par où vous voulez commencer, tu as posé plusieurs questions, peut-être qu'on peut laisser Madame Carlon déjà répondre sur l'aspect lien avec la communication du MTES, s'il y en a un. Oui, alors sur la... Non, à ce stade, non, effectivement, il n'y a pas eu de lien, il n'y a pas eu de lien avec ce que fait le ministère à ce stade, mais c'est vrai qu'on peut le déplorer parce qu'on voit naître différentes initiatives de communication comme cela qui émergent. Alors, nous, on était sur une première. C'est vrai que déjà, en faire une et réussir à la faire en France, en Italie, au même moment, à la faire basculer sur les réseaux des forces opérationnelles, de la protection civile qui la relaye, des SDIS chez nous. Bon, l'entente y a participé, bien sûr, et donc ça nous offre déjà, bien entendu, une couverture sur la zone sud relativement importante, et ça, c'est chouette parce qu'on peut s'adosser à leur campagne plus grand public qui est donnée chaque été. Là, on était sur un test. On attend de voir déjà aussi si ça a bien réussi, parce que comme vous le dites, voilà, communiquer comme ça, si on voit que personne ne voit la campagne, etc., faudra faire une campagne sur autre chose. Faire de la campagne, c'est bien, mais il faut réussir à faire en sorte qu'elles soient efficaces. Mais pour vous répondre, non, on est sur une échelle régionale, transfrontalière, mais pas encore internationale. Mais je ne sais pas, après, dans une logique d'aller sensibiliser un public jeune adulte à cette question-là, je pense que ça peut prendre une dimension beaucoup plus large et c'est toujours intéressant de le faire. Mais il faut qu'on se pose la question dans l'optique où on la renouvellerait, effectivement. Mais déjà, de lui avoir fait passer la frontière, c'était déjà une belle chose. Mais effectivement, on pourrait tout à fait penser ce lien, ouais. Et moi, je ne vois pas de conflit dedans. Il y a des approches, si on parle en anglicisme, les approches top-down et les approches bottom-up. Je pense que qu'il y ait des approches, des initiatives gouvernementales, y compris sur ces questions de sensibilisation, c'est très bien. Qu'il y ait des initiatives plus locales ou issues des territoires qui vont certainement mieux répondre à la problématique du territoire et qu'on teste, puisque finalement, on parle bien de projet, donc de test. Ça me paraît être tout à fait nécessaire et il sera toujours temps après de mettre tout ça en synergie. Et je pense pas qu'il y ait de conflit entre les choses, mais je pense que c'est intéressant d'avoir ces initiatives du territoire finalement pour faire émerger des choses. Charles, peut-être tu veux répondre, ou Hubert? D'accord, je pense qu'on peut faire le lien en effet, puisque je pense que Fabrice a ouvert des questions et des sujets sur les usages aux interfaces, qui sont des endroits qui sont ni de la forêt ni de la zone urbaine, et c'est notamment la question des friches. Peut-être qu'Hubert peut nous dire un mot là-dessus, puis en effet on pourra laisser la parole à Valentin Renoux, avocat, peut-être sur ce sujet-là aussi. Je commence, s'il te plaît. Oui, sur ce point des lisières et des interfaces, je voulais rappeler ce qu'on a vu ensemble, Sébastien, à La Bouilladis, qui est une commune où il y a un petit village au pied d'un massif forestier, le Régagnas, et où la commune a eu l'intelligence de faire prendre une décision de classement en zone d'agriculture protégée sur le périmètre qui sépare en fait la zone habitée de la forêt. Et on a visité deux parcelles qui s'étaient enfrichées par disparition de l'agriculture qui existait entre les deux guerres et qui ont été, disons, défrichées, c'est-à-dire qu'on a coupé les arbres et la broussaille, et sur lesquelles des oliviers ont été plantés, de la vigne va l'être, et il y avait une dame adorable qui disait: sur la parcelle que je maîtrise maintenant, je vais replanter des oignons et je ne sais plus quel arbre fruitier, restaurant le pays qui était le mien quand j'étais enfant, parce que je venais chercher ces produits-là à cet endroit. Alors, il ne s'agit pas de dire que c'était mieux avant, mais là, on sent un vrai projet et un vrai progrès. Et l'idée que nous suggérons, c'est qu'il y ait un projet de territoire qui soit fait sur l'ensemble de ce secteur pour arriver à mettre en place, en interface entre la zone habitée et la forêt, une bande de cultures agricoles qui vont d'ailleurs être irriguées, puisque le canal de Provence apporte de l'eau maintenant à cet endroit-là, et qui seront un tampon protecteur dans les deux sens.
J'ai cité le mot de projet de territoire, ça fait partie de mon credo absolu, réunir les acteurs d'un territoire pour l'appréhender. Alors, à travers la question de la forêt, de la valorisation de la forêt et donc de la protection contre le feu de forêt, pour lancer les actions qui seront des actions de progrès sur ces questions-là. Et reprendre tout ça dans ce document que vous connaissez bien, puisque vous êtes au titre du ministère de l'Intérieur co-signataire de l'instruction technique, le PPFCI, le plan de prévention contre les incendies de forêt, qui se construit au niveau d'un département et se décline au niveau des massifs. Et là, il y a l'occasion d'une réflexion pour bien appréhender les risques, les enjeux et définir les actions, que ce soit des actions de surveillance, de protection, d'aménagement, etc., de communication, qui permettront d'améliorer la situation. J'y crois beaucoup. Mon dernier point, c'est sur votre question sur la cohérence et la coordination entre les campagnes de communication. Je suis vraiment porteur de l'idée qu'il faudrait que toutes ces actions de communication procèdent d'une même source et d'une source ou d'un ensemble qui soit véritablement identifié et identifiable, de sorte que tous les habitants, résidents ou touristes sur le secteur de la zone méditerranéenne se disent « Ah oui, cette image, ce mot, je l'ai déjà vu quelque part, ça doit être sérieux si on m'en parle partout » et qui est comme ça une cohérence et un renforcement de toutes ces campagnes qui seront après ciblées par chaque organisateur, mais dont on reconnaîtra qu'elles procèdent de la même préoccupation et qu'il y a une cohérence, une organisation, de sorte que son effet soit beaucoup plus fort, encore plus fort. Merci Charles, on va retenir cette notion de cohérence sur la campagne de communication. Alors, on a ouvert des questions d'usage du sol, notamment aux interfaces forêt et des aspects juridiques qui sont liés. Donc en effet, on peut peut-être, alors en anticipant un peu sur l'intervention d'après, donner la parole à Valentin Renoux, qui est avocat au barreau d'Aix. Oui, bonjour à tous. Simplement pour rebondir sur votre intervention par rapport aux espaces périurbains et d'espaces ruraux, c'est vrai qu'on a une réglementation, c'est un point que je me permets d'évoquer ici parce que je n'avais pas prévu de l'aborder plus tard dans ma présentation. On a une réglementation DFCI qui porte surtout sur les forêts, la protection des forêts contre les incendies, et avec des outils juridiques qui ne sont pas forcément adaptés à des actions, que ce soit des aménagements ou même des actions de surveillance, de patrouille sur ces espaces périurbains et ces espaces ruraux. Et on a pu voir, par exemple, avec un travail avec le département de l'Hérault, qu'en termes de compétences, tout simplement de compétences d'action des collectivités, avec la suppression en 2016 de la clause de compétence générale, les départements, quand bien même ils auraient envie d'intervenir sur ces territoires ruraux et périurbains, n'ont pas vraiment la compétence en fait, pour le faire, et donc pourraient même être contestés dans cette action s'ils devaient y consacrer des moyens. Alors après, voilà, je ne vois pas qui trouverait quelque chose à redire à ce type d'action. Il faut voir qu'en termes de compétences et de fondements pour leur action, il n'y a pas les textes aujourd'hui. Et tous les textes juridiques en matière de protection contre les incendies de ces différents espaces sont vraiment ciblés sur la forêt et abordent assez mal, je trouve, la question des espaces ruraux et périurbains. On a quelques dispositions dans le code rural qui permettent des interventions, mais qui sont assez mal appréhendées aujourd'hui par les collectivités. C'est assez complexe. C'est des outils lourds avec des projets de territoire effectivement à mettre en œuvre qui nécessitent plein de partenaires et on ne sait pas vraiment qui est chef de file, comment intervenir pour ces espaces. Donc c'est délicat. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Oui. Bonjour. Marion Labainville du CEREMA. Moi, ça serait pour revenir sur la communication. Je ne sais pas si il marche, je ne m'entends pas. Ah oui. Voilà. Alors, j'y vais. Je voudrais revenir sur la communication. Est-ce que vous avez pris en compte, dans le cas des deux campings, le caractère tourisme, justement ? Car on peut faire une campagne de communication pour les jeunes sur la région PACA et Italie qui sont, eux, confrontés à l'année, on va dire, au problème incendie. Mais dans des campings, ce n'est pas forcément la population présente. Et je pense à des actions... Enfin, ça me renvoie au fait... à l'heure d'aujourd'hui, on monte tous dans des avions avec 10 minutes de présentation des consignes de sécurité.
Et je me pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas à chaque fois qu'on rentre dans un camping pour 15, 10 jours, allez, minimum 7 jours de vacances, avoir un spot d'information sur les risques du camping? Je pense que c'est... On va couper le son. Merci. Je pense que c'est en effet une piste à creuser dans la communication. Je ne sais pas, Hubert, si tu veux en dire un mot, si vous avez travaillé dessus ou... Très sommairement, en fait, c'est vrai que la gestion opérationnelle, enfin, cette partie-là, n'a pas été le cœur de notre prestation, parce que c'est déjà abordé par le plan communal de sauvegarde, qui est l'outil opérationnel pour la collectivité, pour essayer de gérer la crise en temps... Mais c'est vrai que se sont posées les questions de tout la façon dont on va se gérer l'évacuation au niveau du camping. Donc ça a été abordé mais de manière plutôt sommaire, on était plutôt sur des logiques structurelles d'aménagement et pas sur des logiques très opérationnelles. Mais en effet, la remarque est pertinente. Et on est allé vers de l'équipement qui permette justement au personnel du camping de faciliter l'intervention. Et pour les pompiers, par exemple, aussi des panneaux indiquant les réserves d'hydrocarbures, la façon dont les choses sont faites. Donc on est un petit peu sur ces logiques-là. Ouais. En amont, en fait, avant que... Je vous rejoins complètement dans le sens où on a parlé campagne d'information et avec, pour la campagne de la région, là, un public assez large ciblé, les jeunes en l'occurrence, mais je pense que moi, je suis convaincu qu'il faut les deux, c'est-à-dire qu'il faut des campagnes de sensibilisation génériques et Charles disait qu'elles doivent être avec un message unique, peut-être en lien avec les ministères, mais je pense aussi qu'il y a vraiment un effort de sensibilisation à faire sur les populations les plus vulnérables, en fait, qui vont être, vous l'avez dit, les populations de camping en zone très à risque. Je pense qu'il y a un vrai effort à faire, y compris sur la sensibilisation, voire même la formation en amont. Vous citez un exemple, il y en a d'autres. Je veux dire, quand on a des sites, des établissements recevant du public qui sont aujourd'hui construits dans la forêt ou en interface, on ne pourra pas s'épargner d'avoir une action très ciblée sur ces bâtiments-là, sur le personnel, pour faire une sensibilisation précise, notamment sur la prévention du risque et puis que faire en cas de risque. Parce que c'est ce qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, les pompiers ne seront pas forcément toujours là pour vous défendre au moment où ça va brûler. Donc je vous rejoins complètement. Merci. Alors on va prendre une petite minute pour souffler, le temps de rapatrier l'autre salle ici. Et comme ça, on va pouvoir enchaîner sur la deuxième partie. Et si François, Valentin, Fabrice peuvent s'asseoir là-bas. Merci. Je propose de prendre place, on va enchaîner pour la... Il nous reste une petite heure, je pense. Et après, promis, on se dirige vers les festivités, pour ceux qui restent ce soir. Il y a les festivités, bien sûr, bien sûr.
Bien sûr, c'est pour ça qu'on est là, Charles. Alors, on va très rapidement, moi, je vais dire deux mots de ce qui a été échangé dans cette salle, et je suis convaincu que de l'autre côté, vous avez dû avoir aussi des éléments intéressants. Damien, tu pourras nous en faire part. En une minute, on a abordé la question de la quantification des actions et quelle est l'efficacité des actions. Quand on parle d'actions de communication, notamment, est-ce qu'on évalue ? Ça a permis au SDIS des Bouches-du-Rhône, par exemple, de dire que depuis quelques années, le SDIS s'est intéressé fortement à la quantification du coût du sauvé et a permis de mettre en lumière que le moindre feu de forêt, derrière le coût de la lutte, il y avait une valeur du sauvé qui était excessivement intéressante. Très importante. Et puis, ça nous a permis d'enchaîner sur les questions de nécessité d'investir plus sur la prévention, parce que la lutte a atteint ses limites aujourd'hui, et je pense qu'on va y revenir très rapidement dans les interventions qui suivent, et sur le fait qu'on avait des zones très sensibles, notamment les interfaces forêt-habitat, et notamment les zones de friche, les zones qui sont ni de la forêt, ni de la zone urbaine, et sur lesquelles on a encore des enjeux très forts, et qui vont se heurter d'ailleurs à certains verrous juridiques, dont on va reparler dans quelques minutes. Voilà, résumé très rapidement une partie des échanges qu'on a eu ici. Damien, veux-tu nous dire ce que vous avez dit de votre côté ? De notre côté, on a aussi parlé des zones urbaines en interface avec les forêts. Et on s'est peut-être plus attardé sur la thématique du management de la forêt que sur les secours pompiers. Globalement, ce qu'on a retenu, c'est qu'on avait plusieurs acteurs avec des intérêts différents, des usages différents de la forêt, et qu'il fallait avoir quelqu'un ou des responsables qui puissent réunir autour de la table toutes ces personnes-là pour pouvoir faire du management. Il y a une initiative à faire de la part de quelqu'un. On a beaucoup insisté sur le rôle des pouvoirs publics, allant de la sensibilisation des populations à l'édification de normes pour qu'ils débroussaillent. Et on a même insisté sur le fait que les pouvoirs publics ne devaient pas hésiter à aller jusqu'à mettre des amendes pour pouvoir montrer que les normes sont effectives et ne sont pas juste là pour faire bien. Voilà. Très bien, merci. Alors, je vous propose maintenant d'élargir encore le débat. On a beaucoup parlé des problématiques, des enjeux et peut-être des leviers dans la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur et la zone méditerranéenne, on va dire au sens large. On va voir maintenant ça de façon plus générale avec des intervenants qui ont une vision nationale du sujet, avec là encore vous allez voir des axes et des compétences totalement différentes, et puis même au-delà du national on va aussi partir à l'étranger. On va commencer avec le lieutenant-colonel Fabrice Chassagne qui a un long parcours à la sécurité civile, qui a été intervenant sur les feux pendant un certain nombre d'années, qui a notamment dirigé la salle opérationnelle de zone. Donc c'est lui qui engageait les avions et les camions renforts lorsqu'il y avait un feu de forêt dans notre zone pendant de nombreuses années. Et Fabrice est aujourd'hui au ministère de l'Intérieur, à la Direction Générale de la Sécurité Civile, où il est le référent feu de forêt du directeur général. Merci. Bonjour à tous. Alors je ne suis pas si vieux hein, quand même. Mais effectivement, j'ai quelques accointances avec le feu de forêt. Alors la manière, enfin moi très rapidement, puisque même si j'ai pas de diapositive, j'ai aussi que 5 minutes, la manière dont on envisage la gestion des feux de forêt en 3 temps au niveau de la sécurité civile. Alors ce qui, pour les non-connaisseurs, la sécurité civile c'est pas la strate au-dessus, mais c'est bien la strate à côté de tout ce que vous connaissez en SDIS, et c'est bien celle qui rédige avec les SDIS la doctrine. C'est-à-dire, souvent les gens confondent sécurité civile et SDIS, c'est pas tout à fait la même chose, même si on parle toujours de Girofa. La doctrine qui s'est construite dans le cadre de la lutte contre les feux de forêt, elle est née, et certains ici en étaient des artisans, dans le milieu des années 90, et sans vous rentrer trop dans le détail, c'est l'anticipation, l'anticipation et l'attaque massive. Pour rentrer dans ça, c'est quelque chose qui, dans le contexte actuel, et notamment celui du changement climatique, qui a été réaffirmé, et non seulement réaffirmé, mais en plus étendu à l'ensemble du territoire. C'est une volonté depuis 3 ans du directeur général. Et comme je le faisais remarquer tout à l'heure, on ne parle plus que de feux de forêt, mais on parle de feux de végétation ou feux d'espaces cultivés ou d'espaces naturels. C'est-à-dire que plutôt que de focaliser sur la forêt, on s'attache à se focaliser sur tout ce qui génère de l'intervention pour les forces d'incendie et de secours, qu'elles soient de la sécurité civile ou des SDIS.
parce qu'on ne peut pas se fermer, on peut pas se fermer à ça. Un feu de friche, même si ça fait 0 hectare de forêt, c'est quand même X heures d'intervention pour un SDIS, avec un potentiel coût derrière qui n'est pas neutre. Donc en fait, c'est une extension à l'ensemble du territoire, une réaffirmation de cette doctrine et une extension à l'ensemble des feux de végétation. Pour essayer d'approfondir, enfin, ou d'améliorer les outils, nous, vu que le premier principe, c'est l'anticipation, ça a été d'affiner des outils qui généraient l'anticipation en termes de prédisposition des moyens, alors que ce soit des moyens du SDIS, mais aussi des moyens de renfort, des moyens zonaux, aériens, hélicoptères, ce genre de choses, voire même des moyens européens ou de l'allocation de matériel particulier. Pour ça, avant, on avait l'alpha et l'oméga que constituait Météo France. On se rend compte à terme qu'en fait, on n'arrive pas aux limites de Météo France, puisque les seules limites pour les ingénieurs, ça reste celles qui se créent, mais qu'en fait, on avait besoin d'avancer un petit peu plus et d'adjoindre en plus à tous ces indices dont je vous passerai le détail, des critères qui étaient beaucoup plus régionaux, factuels, sur le territoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'un IFM, pour ceux qui connaissent, en PACA, directement interpellable de la même chose, de la même manière, dans les forêts du Jura qui subissent des attaques parasitaires, ou dans les forêts de châtaigniers du bassin parisien, du sud du bassin parisien, qui, pareil, sont dans un état sanitaire déplorable. Donc, à la couche Météo France, il a fallu adjoindre d'autres couches de réflexion qui étaient liées au peuplement et aussi à l'activité opérationnelle. Donc, on a une construction d'outils d'anticipation qui, certes, prend le pilier Météo France, mais qui s'appuie aussi sur deux autres piliers que sont les peuplements et l'activité opérationnelle. Et dans l'activité opérationnelle, j'englobe aussi, comme on en parlait tout à l'heure, le nombre de départs de feu. Ça, depuis 3 ans, c'est quelque chose qui se construit avec une densification des bases de données, non seulement de la moitié sud, la Prométhée, celle qui est en place ici, est très bien faite, sauf qu'en fait, quand on regarde un petit peu plus au nord, en fait, on s'en rend compte qu'il n'y a absolument rien. Donc il y a un besoin de construction de connaissances par rapport à la problématique feu de forêt et comment est-ce qu'on, enfin feu de végétation, et comment est-ce qu'on va réagir derrière. Et ensuite, le troisième point, c'est l'adaptation des moyens. Alors, l'adaptation des moyens, le raccourci facile serait de dire ben, on n'a qu'à, (premier guillemet), acheter plus, dépenser plus, faire plus de sapeurs-pompiers, faire plus de campagnes de communication, faire plus, voilà. Sauf qu'en fait, quand on dit ça, on se ment à soi-même, et puis on est rapidement, voire même si on ne l'a pas déjà percuté, atteint par la limite du plafond de verre qui, malgré un nombre incommensurable d'avions ou de feux, je reprends l'exemple Coudier, mon capitaine, avec plus de 20 colonnes en renfort sur le plateau de Rognac, est-ce qu'on aurait pu faire plus? Est-ce que si on avait fait plus, ça aurait été judicieux? Est-ce que si, au lieu d'avoir 12 Canadair, on en avait 34, à noircir le ciel de moyens aériens, est-ce qu'on ferait mieux ou pas? Est-ce qu'avoir des plus gros porteurs pour faire des plus gros feux, est-ce qu'on n'est pas atteint une certaine limite? On en est là, en fait. On sait, et c'est pas vrai que cette année ou les années précédentes, on sait que, de plus en plus, les cinétiques auxquelles on aura affaire au regard des conditions météorologiques et de l'environnement climatique auquel on va être confronté, feront que si on rate le premier moment, ça dérape. Et donc le fait générateur de l'intervention devint presque secondaire par rapport à la gestion de crise qu'on va avoir à faire. Je reprends l'exemple d'un intervenant, c'est-à-dire que, certes le camping a brûlé, mais il y a eu de l'évacuation. Certes le feu est arrivé aux portes de Marseille, mais il y a eu aussi toute une contingence en termes de gestion de crise où le feu de forêt était un petit peu en retrait. Et ça nous pose problème à deux niveaux, c'est-à-dire qu'on focalise peut-être encore un petit peu trop sur le fait générateur, c'est-à-dire qu'on se dimensionne pour réagir à un feu de forêt alors qu'on est dans le cadre de l'évacuation de masse. J'ai bien connu tu l'as connu aussi, des coupures SNCF qui étaient coupées, des voies SNCF qui étaient coupées à Aubagne et qui généraient des naufragés du rail à Paris et à Cannes. C'est bien ça, enfin. Donc, pas faire passer le feu de forêt en secondaire, en second plan, mais bien se détacher du fait générateur dans le cadre d'une crise qui se monte. Et nous, en termes d'intervention, on se rend compte que à décennie équivalente ou à départ de feu équivalent, notre temps d'intervention se réduit. C'est-à-dire que ce qu'on aurait été capable de contenir dans les 5 ou 10 premières minutes il y a 20 ans, 30 ans, peu importe. Mais en fait, on sait qu'on va avoir beaucoup moins de temps. Donc en fait, on est sur, en termes de moyens, on est plus sur le moyen d'anticipation, de détection et de réaction encore plus rapide qu'avant. Parce qu'on sait que si le Gard, pour ceux qui connaissent, n'est peut-être plus adapté parce qu'il met trop de temps à intervenir dans une zone à risque. Donc en fait, c'est notre délai d'intervention qui va être raccourci. Alors comment est-ce qu'on fait?
On anticipe, on surveille mieux, mais on déploie encore plus de moyens. Est-ce qu'on déploie des moyens plus lourds ou plus légers? C'est tout l'objet des groupes de réflexion qu'on est en train de mener actuellement dans le cadre du groupe de travail que j'ai l'honneur de piloter sur le changement climatique et la DGSCGC. Et ensuite, il y a toute une pléiade d'améliorations. On parle, sans rentrer trop dans le détail, de sapeurs augmentés, de moyens plus lourds, de moyens plus efficaces parce que moins consommateurs en eau. Donc tout ça sont des prédispositions techniques sur lesquelles on est en train de travailler. Pour terminer, je crois, comme on me l'a fait remarquer récemment, que l'opération, c'est le premier échec de la prévention. Donc ça veut dire que si vous voulez encore quelque chose de mesurable, c'est-à-dire dès qu'on intervient, c'est que... Et c'est d'ailleurs ce qu'écrit la doctrine, ça fait 30 ans qu'elle dit ça. Une fois que la prévention, le premier échec, c'est la prévention en fait, si on intervient. Donc là-dessus, en fait, nous, Sécurité Civile, plutôt que d'enciler les actions, comme on sait, enfin, je vais forcer un peu le trait, ne le promets pas mal du tout, mais plutôt que d'enciler les actions dédiées à la protection de la forêt ou des espaces naturels en... La communication, c'est le MTES. L'aménagement du territoire, c'est le ministère de l'Agriculture. Et la lutte, c'est le ministère de l'Intérieur. Ça, en fait, ce qu'on essaie de faire avec mes correspondants, et on n'y est pas encore arrivé, c'est d'essayer d'enciler ou d'encapsuler tout ça dans un document interministériel, comme ce veut être une doctrine de lutte, de manière à ce qu'on puisse avoir, non seulement à l'échelle nationale, mais à l'échelle des territoires, ces trois piliers qui travaillent ensemble pour avoir des actions coordonnées et ciblées, et qui pourraient s'appuyer sur, pour l'instant, une stratégie qui n'existe pas, ou un document qui se voudrait aussi réduit que la stratégie de 1994, de manière à ce que les gens dans les territoires, quel que soit le ministère, sous les ordres du préfet, se disent « Ok, ma stratégie, c'est celle-là et je l'adapte au territoire. » Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais on travaille dessus. Merci, merci Fabrice. Alors le Gard, ce n'est pas le département du Gard, hein, c'est le guet aérien armé, c'est les gros avions qui passent avec du retardant et qui patrouillent au-dessus des forêts. Merci, c'était riche de voir l'enjeu sécurité civile nationale et puis aussi... Les aspects réglementaires et l'aspect interministériel chez nous. Je vous propose, sans aucune transition, mais un peu quand même, d'aller un peu plus loin. On va aller au Canada cette fois et on va accueillir Monsieur Vincent Demers qui est en ligne. Alors, je te laisse mettre le lien ici. Parfait. Donc, Monsieur Vincent Demers qui est en ligne avec nous depuis tout à l'heure, il nous entend, il nous suit. Vincent, merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. Vincent Demers est donc travaille au Canadian Interagency Forest Fire Center et il va donc nous donner un peu la perspective en termes de sécurité civile et de lutte contre les feux de forêt vu du Canada. Très bien, je vous remercie. Donc, effectivement, le Centre Interagence des Feux de forêt du Canada, c'est ce qu'on appelle le CIFCI. Il s'agit d'une société sans but lucratif dont le mandat est, entre autres, de fournir un soutien opérationnel aux agences membres, donc chacune des provinces du Canada, pour améliorer la préparation, la sécurité et la capacité d'intervention nationale. Le Canada, il compte environ 9 % des forêts du monde. La moyenne mobile annuelle des 10 dernières années, c'est de 5 288 feux. Et de 2,55 millions d'hectares brûlés. Donc, c'est à grande échelle, évidemment. Plus de la moitié des feux sont de cause humaine, mais la foudre cause 97 % des superficies brûlées. Les défis que vous vivez, ce sont aussi les nôtres. J'ai entendu les mêmes aujourd'hui durant les présentations précédentes. Nous, ce qu'on observe présentement, c'est que la moyenne annuelle des feux a diminué de près de 1 000 feux au cours des 25 dernières années. Ce qu'on attribue à nos efforts de prévention auprès du public et des industries, mais les superficies totales, quant à eux, sont presque demeurées les mêmes, ce qui fait que les superficies moyennes de chaque feu est plus grande qu'auparavant. Au Canada, on observe également de plus en plus que la population est affectée par ces grands feux. Le graphique de gauche, il vous montre la population et les feux qui occupent les territoires qui se chevauchent, et celle de droite présente des évacuations qui sont survenues 1980 et 2017 en lien avec ces feux de forêt. Donc, depuis 1980, on parle de 1160 évacuations de populations qui sont liées aux feux de forêt et qui ont impliqué 1,5 million de personnes.
Parmi ces feux d'interface, certains dépassent l'imaginaire. Vous en avez un certain nombre devant vous, je suis certain, dont vous avez entendu parler. Je retiens seulement celui de Fort McMurray. Donc, c'était 100 km de long par 59 km de large, 2400 structures, donc maisons qui ont été détruites et des coûts de suppression de 740 et des pertes économiques évaluées entre 6,3 et 10 milliards selon les sources. Donc, les risques, ils augmentent d'une part à cause des changements climatiques. Donc, on observe chez nous des hausses de température moyenne et de pointe, des étirements de la saison qui démarrent plus tôt et qui se terminent effectivement plus tard. Puis d'autre part, à cause de la croissance de la population et de son étalement géographique, mais aussi de l'utilisation plus intensive du territoire. Donc, les gens font plus d'activités de villégiature que par le passé. Donc, les deux risques ensemble, ils font sur notre système de protection actuel, qui d'un point de vue technique a connu peu d'avancées, en ce sens que c'est bien souvent les mêmes moyens de suppression qu'on utilise maintenant qu'autrefois. À l'inverse, on peut dire que notre ennemi s'est amélioré, la sévérité des saisons s'est accrue, puis on connaît de plus en plus de jours où les limites de notre capacité d'intervention est dépassée. Fait que la résultante, c'est qu'on a plus d'épisodes de feux dévastateurs, les évacuations communautaires augmentent, tout comme les pertes et les coûts de suppression. Pour illustrer à quel point ces défis-là sont grands, je vous invite à regarder ce graphique-là. Il met en fond dans la relation le nombre de feux qu'on ne parviendra plus à contenir, dont on dispose. Le graphique, il nous apprend que si on ne change rien par rapport à la quantité de ressources de combat actuellement, en 2040, il va y avoir 27 % plus de feux qu'on échappe par rapport à ceux qu'on échappe présentement. Puis pour demeurer au même niveau, il va falloir doubler les ressources d'intervention. Cette saison, on a fait appel à l'aide internationale. Nous avons des ententes avec plusieurs pays et avons tout de même épuisé toute disponibilité d'aide extérieure. Donc, il faut ajuster notre stratégie globale. Évidemment, il faut miser sur des créneaux qui ont encore du potentiel de donner des résultats significatifs additionnels. Puis récemment, le CIFSI a vu son mandat élargi pour inclure la prévention puis l'atténuation des risques dans son mandat et s'apprête à présenter la stratégie canadienne en la matière au Conseil canadien des ministres pour approbation. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous le dire en ce moment, mais vous avez devant vous un ébauche de ce que pourrait être le produit à final. À mon avis, chaque pays doit avoir la leur. Porter ses efforts à l'intérieur du pays qu'à l'international. Afin de soutenir les efforts de prévention puis d'atténuation des risques, le CIFSI a fusionné avec le programme IntelliFeu. J'aurais pu baser ma présentation uniquement sur ce programme-là, aussi connu en anglais sous le label de Fire Smart. Donc, IntelliFeu, c'est un organisme qui vise à promouvoir la protection des communautés, des propriétaires, contre les incendies de forêt en fournissant des lignes directrices puis de l'aide pour atténuer l'impact des incendies par l'éducation, par une meilleure planification, par l'utilisation de matériaux de construction résistants au feu puis des pratiques de gestion du territoire et de la végétation qui réduit la propagation de ces incendies-là. C'est un organisme qui existe depuis 30 ans, reconnu, et elle a fait la différence dans plusieurs situations. C'est également le pendant américain de Firewise. Précédemment, un parmi vous a mentionné l'importance d'avoir de la cohérence dans la communication. C'est une excellente piste puisque ce label-là est le porte-parole de la communication auprès du public et c'est un label qui est connu de celui-ci. Donc, un territoire aménagé Fire Smart, c'est un territoire qui est résilient. Voici par exemple un exemple d'outil IntelliFeu qui permet aux propriétaires d'évaluer leurs risques face aux incendies forestiers puis d'apporter des correctifs eux-mêmes. C'est un exemple de base, évidemment, mais c'est pour illustrer là, un des outils. Fait que le CIFSI fonde des espoirs très grands envers ce programme-là pour travailler directement à la source le problème des feux de forêt. Fait que ça complète ma présentation. Sur ce, je tiens à souligner que certaines acétates ont été puisées dans l'excellent travail de la recherche de la chercheure Lynn Johnson, qui est une chercheure du Service canadien des forêts. Je vous remercie. Perspective d'outre-Atlantique, qui est vraiment
intéressante parce qu'on voit quelque part à quel point ça rejoint nos enjeux, nos questionnements, et puis ça nous dit aussi un peu vers quoi on peut et vers quoi on doit peut-être évoluer. Alors, je vais passer maintenant la parole, on va voir maintenant deux axes très particuliers, on va sortir un peu de cet aspect de la lutte pour aborder les questions juridiques et puis après les questions assurantielles. Et donc tout de suite, je vais donner la parole à Valentin Renoux, qui est avocat au barreau d'Aix-en-Provence et qui travaille notamment, puisqu'il il a créé un cabinet d'avocats qui est spécialisé en droit de l'environnement notamment et qui travaille sur ces questions juridiques de verrous liées aux incendies de forêt notamment. Merci Sébastien. Oui, si c'est possible de mettre la présentation. Merci. Oui, donc moi j'ai prévu de vous présenter quelques aspects juridiques en matière de protection des forêts contre les incendies. Quelques aspects seulement parce qu'en 5 minutes on ne peut vraiment pas tout dire. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à dire. On en a déjà parlé un tout petit peu tout à l'heure à l'occasion de nos échanges. Oui, à l'occasion de nos échanges avec le public, on a pu voir qu'en fait aujourd'hui la réglementation elle est principalement calée sur l'aspect forêt. Protection des forêts contre les incendies et qu'en fait il y a quand même un impensé au niveau législatif et réglementaire pour tous ces espaces qui sont intermédiaires sous ces interfaces entre la forêt et la ville il n'y a pas forcément d'outils ou en tout cas il y en a très peu qui sont au niveau juridique faits pour assurer la prévention, la surveillance et la lutte, oui, bien sûr, la lutte, oui, mais c'est quand même la prévention qui fait défaut. Et donc aujourd'hui, cette réglementation, elle se base essentiellement sur la protection de la forêt, et donc elle est répartie dans différents codes, le code forestier, le code de l'environnement, mais aussi le code rural, le code de la sécurité intérieure, le code général des collectivités territoriales, et avec différents outils. Bon, le pilier, c'est quand même le code forestier. On a parlé tout à l'heure des obligations légales de débroussaillement qui sont insuffisamment mises en œuvre et qui sont un outil très performant qui gagnerait à être mieux appliqué. Les servitudes DFCI pour la création des pistes pour accéder au cœur des massifs et pour la surveillance et la lutte. Les déclarations d'utilité publique qui sont très peu mises en œuvre pour mettre en place des aménagements plus lourds que des pistes ou des citernes et qui pourraient par exemple consister en des coupures au sein des massifs, des coupures agricoles. La réglementation de l'emploi du feu et le plan départemental de protection des forêts contre les incendies, tout ça c'est dans le code forestier. Dans le code de l'environnement, on a le plan de prévention des risques d'incendie de forêt qui s'articule avec l'urbanisme et qui conditionne notamment la constructibilité des zones concernées. Et en fait, ces textes qui sont très riches, ils ne sont pas forcément tous bien faciles à appréhender pour les différents acteurs, de par leur complexité et puis de par aussi la difficulté du sujet, sachant qu'il y a aussi une absence de répartition dans les textes claire des rôles entre les différents acteurs, l'État, l'ONF, les communes, les établissements de coopération intercommunale, les associations syndicales, les départements. Et finalement, il y a une grande liberté, une grande souplesse qui est laissée, ce qui peut être bon aussi pour une bonne organisation au terrain. Mais parfois, les gens se regardent un petit peu les uns les autres à dire qui y va, est-ce que j'ai le droit, est-ce que je peux, est-ce que ce n'est pas plutôt à toi d'y aller, etc. Et ça peut créer soit des superpositions, soit des trous dans la raquette, pour parler un peu crûment. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a une mosaïque aussi des fonds, là je parle au niveau foncier, des terrains qui sont concernés avec des statuts variés, des terrains privés, qui sont souvent très morcelés avec une multiplicité de propriétaires, des forêts des communes qui sont ou non soumises au régime forestier, des forêts domaniales de l'État et aussi toute une multiplicité de statuts au niveau des voiries avec des règles différentes et ça entraîne vraiment au niveau pratique, opérationnel aussi tout un tas de questionnements juridiques dont on a peine à imaginer quand on ne se plonge pas dans ce domaine-là. Voilà, passer au transparent suivant, mince. Voilà, et simplement pour vous donner quelques illustrations de ces difficultés, au-delà de la question des interfaces dont on a déjà parlé, il y a la problématique par exemple du fondement juridique des équipements DFCI. Donc, c'est dans le code forestier, il est possible pour le préfet de prendre des servitudes
qui autorise à construire, à réaliser des aménagements, que ce soit des pistes, des FCI, des citernes, des tours de guet sur les terrains des particuliers, malgré, avec ou sans leur accord en fait. Et comment dire, le problème c'est que la plupart de ces équipements aujourd'hui ont été réalisés sans mettre en œuvre ces servitudes, et donc ils sont fragiles juridiquement. Il suffit qu'à l'occasion d'une succession ou même d'un changement d'avis du propriétaire, d'un propriétaire concerné, ça peut entraîner soit des oppositions à des opérations de débroussaillement le long de ces équipements ou à proximité, soit carrément, si un propriétaire décide du jour au lendemain de barrer la route aux outils de lutte ou de surveillance, enfin aux engins de lutte et de surveillance, mais il a parfaitement le droit, en fait, le fait qu'il n'y ait pas de servitude ne permet pas de passer outre un éventuel refus d'un propriétaire. Et donc, on voit qu'il y a tout un travail à faire de sécurisation de ces équipements en adoptant les arrêtés de servitude qui vont bien. Et on est loin du compte aujourd'hui pour les forêts concernées, les territoires concernés. Une autre illustration, ça peut être la mise en œuvre du débroussaillement. Donc, on a vu qu'il était mal mis en œuvre. Et notamment, il y a une question de superposition, parce qu'il n'y a pas un type d'OLD, on dit les OLD, mais il y a les obligations pour tous les propriétaires de construction à moins de 200 mètres des forêts. Mais il y a aussi des obligations pour les gestionnaires de routes, qu'ils soient publics ou privés, pour les gestionnaires de voies ferrées, aussi pour les lignes électriques. Et ces obligations légales peuvent se superpositionner. Il y a des règles aujourd'hui qui sont prévues dans le code forestier, mais qui ne sont pas toujours faciles à mettre en œuvre et qui nécessitent de se parler, qui nécessitent éventuellement de conventionner, de mettre en œuvre potentiellement des bonnes pratiques pour se répartir un peu les coûts. Malheureusement, ce n'est pas forcément fait. Il n'y a pas cette réflexion qui est faite. En tout cas, c'est assez rare. Voilà. Et le dernier exemple que je voulais citer, c'est la question de l'accès aux massifs forestiers et des conflits pour l'usage notamment des pistes des FCI. Il faut le rappeler quand même, les espaces naturels et tous les espaces naturels en France sont interdits d'accès aux véhicules à moteur, donc les motocross, les 4x4, les quads, les buggies, etc., normalement n'ont pas leur place dans les espaces naturels, en dehors des voies qui sont ouvertes à la circulation publique, c'est-à-dire les voies qui seraient empruntables par tout véhicule avec une Twingo, etc. À partir du moment où vous ne pouvez pas rouler en Twingo sur une piste, c'est interdit d'aller avec un véhicule à moteur. Et ça, malheureusement, on voit bien qu'il y a un énorme décalage entre la théorie et la pratique. Il faut rappeler que les pistes, les DFCI sont des voies spécialisées qui sont non ouvertes à la circulation publique. On peut prévoir des usages dans l'arrêté de servitude, notamment pour les ayants droit, pour accéder par exemple à des exploitations agricoles ou des choses comme ça, mais il faut que ce soit prévu. Aujourd'hui, on manque de titres, on l'a vu, donc forcément ces choses-là sont assez mal balisées. Et il y a aussi, là c'était pour les véhicules motorisés, mais il y a d'autres types d'usages par contre qui peuvent être tolérés. La course à pied, les usages pédestres ou cyclistes sont tolérés et peuvent être réalisés sur les pistes d'accès. Et malheureusement, il y a très peu de contrôle, peu de sanctions, avec donc la présence d'usagers pas forcément autorisés dans les espaces naturels, avec un risque d'exposition en cas d'incendie, et puis aussi un risque d'accroissement des départs de feu. Voilà. Merci Valentin. On voit là la complexité juridique. C'est pas une nouveauté. On sait qu'en France, la complexité juridique, c'est quelque chose que l'on connaît. Et on voit à quel point ça peut s'appliquer sur les problématiques de prévention du risque feu de forêt. Alors, on a parlé juridique, il y a un autre levier ou verrou qu'on pourrait estimer être un levier, c'est celui des assurances. Alors moi, j'ai entendu M. Rigolo ce matin de la Fondation Maïf nous dire que pour le moment, le feu de forêt en France, ce n'était pas un enjeu pour les assurances. Les inondations, oui, mais pas le feu de forêt. Et je vous propose de donner la parole à François Rosenberg, qui va peut-être le voir avec un angle différent. On va voir donc François Rosenberg, qui a créé une entreprise qui s'appelle Perma et qui travaille justement en interface avec les assureurs et le monde agricole. François, je vais passer ta présentation et on va voir si tu rejoins les propos de Monsieur Rigolo et de la Fondation Maïf. Ouais. Ok, merci. Donc nous, les assureurs, puisque en fait moi je suis un ex-assureur, j'ai travaillé pendant ma carrière pour l'industrie de l'assurance j'ai fini à l'apogée dans une société de réassurance. Donc les assureurs d'assureurs,
en Suisse et des gens, au fait, qui gèrent des feux de forêt comme les assureurs particuliers gèrent de l'assurance auto. Donc, eux, leur marché, c'est pas d'aller couvrir le véhicule de Madame A avec celui de Monsieur B, mais c'est plutôt de couvrir un incendie en Californie avec un cyclone en Asie du Sud-Est. Et donc, en tant qu'assureur, donc là, je vais vous donner la vision de l'assureur. Et donc, ce qui est toujours un peu frustrant pendant ces débats, c'est que là, on a fait de la haute couture pendant toute l'après-midi. Et puis moi, je vais arriver avec ma grosse serpe. Et d'un côté, on a le monde du public et des moyens qui sont importants pour protéger la ressource commune. Et je vais mettre face à ça le monde du privé, donc le monde de la rentabilité à court terme. Mais je pense que c'est intéressant de voir comment ces deux mondes peuvent cohabiter. Et donc, je vais axer aussi ma communication sur quel est l'usage qu'on peut faire de l'assurance et qu'est-ce qu'on peut tirer de l'assurance. Et donc, pour commencer, je vous dirais que les assureurs et donc les réassureurs, donc qui sont derrière les assureurs, ils ont une très grande connaissance de la situation des feux de forêt. Et ils ont une très bonne connaissance puisqu'ils sont aux premières loges en tant que... c'est eux qui indemnisent les sinistres et donc cette charge, cette augmentation de la charge liée aux incendies, ils l'enregistrent peut-être encore mieux que les États peuvent le faire. Et donc là, je vous donne des graphes qui sont produits dans la société Swiss Re, qui est la plus grosse société de réassurance au monde, et qui montrent qu'il y a une augmentation très importante des coûts liés aux feux de forêt. On voit que cette augmentation, elle est liée au changement climatique, mais aussi, comme l'a dit l'intervenant canadien, à la concentration de biens dans des zones à risque. Alors, deuxième indicateur qui, pour démontrer aussi la connaissance que peuvent avoir les assureurs sur ces questions-là, c'est que les assureurs, dans leurs équipes, il y a aussi des équipes de modélisateurs, puisque leur vocation, c'est de gérer du risque et d'équilibrer leur risque. Et donc, ils s'achètent le service des meilleurs de très bons aussi connaisseurs de risques qui viennent modéliser les risques. Et là, cette matrice, elle est assez intéressante. Elle provient donc d'internes d'assureurs qui montrent que voilà, les conditions climatiques deviennent de plus en plus propices aux incendies avec des conditions de chaleur et de sec qui sont de plus en plus fréquentes. Voilà, donc les solutions en termes d'assurance, elles sont extrêmement multiples. Aujourd'hui, quand on va voir un assureur, que ça soit à l'échelle d'un site industriel, d'un état, d'une forêt ou même de grands espaces naturels, eh ben on peut leur demander de couvrir les dommages directs aux biens, donc le remboursement, la remise en état d'une usine. Les dommages indirects, par exemple ce fameux volcan islandais, le fait que les avions puissent être arrêtés et la moins-value pour les compagnies aériennes pouvait être aussi payée par les assurances. Il y a aussi des financements sur le surcoût lié aux interventions. Et typiquement, si on a un État qui a un budget qui est limité, il peut très bien souscrire une assurance en disant « voilà, moi, je sais que ça risque de faire exploser mes budgets, donc je vais souscrire une assurance qui va débloquer des fonds pour pouvoir avoir davantage de moyens au moment où l'incendie surviendrait. » Et puis, les assureurs vont jusqu'à financer la restauration écologique. Voilà. Dans les innovations, par exemple, de l'assurance, je vous le dis à titre d'exemple, il y a des programmes qui financent la potentielle destruction et la restauration des barrières de corail. Et donc là, j'arrive sur cette partie-là qui dit que les assurances, finalement, aujourd'hui, elles sont dans le big data à fond et elles peuvent créer des produits sur mesure incroyables. Et donc, ma question, elle est simple, c'est pourquoi s'inquiéter des feux de forêt si les assureurs nous protègent si bien? Voilà, et donc, je vais y répondre en vous apportant quelques éléments sur les principes de la tarification. Donc, le principe de la tarification, pour les assureurs, le classique, c'est de parler de mutualisation inter-individu. Et c'est donc c'est dire, je paye chaque année 2 euros pour me protéger en tant que conducteur et je finance finalement les accidents gravissimes d'une personne dans mon département sur laquelle on va verser 1 million d'euros pour lui permettre de vivre toute sa vie correctement. Et donc, en espérant que ça ne m'arrive pas, voilà le principe, c'est-à-dire que je paye une petite charge pour un risque qu'on qualifie de sauvage et qui ne devrait pas m'arriver dans ma vie.
Aujourd'hui, sur les problématiques de feu et de changement climatique, et là, on a parlé notamment de dommages quasi certains et d'incendies quasi certains, on n'est plus exactement dans cette logique-là. Et aujourd'hui, les assureurs, sur ce type de risque où on a une probabilité de sinistre qui est quasi certaine, ils vont plutôt être sur des questions. Donc, il y aura toujours une part d'incertitude sur le fait que le sinistre se déclenche. Donc, la partie qui n'est pas certaine, elle va être mutualisée interzone, intercontinent. Mais en réalité, aujourd'hui, les assureurs ils connaissent de mieux en mieux le risque. Et ils vont être beaucoup sur une logique de mutualisation interannuelle du risque. Et en gros, ils vont collecter des primes sur une longue période qui vont permettre de financer la survenance d'un sinistre à un moment donné. Donc, il faut garder en tête que sur la durée de vie du contrat, sur des contrats de type wildfire, l'assureur il va être plutôt dans une logique de mutualisation interannuelle plutôt que interindividu. Ce qui signifie finalement que quand je vais payer une prime d'assurance, c'est la prime d'assurance qui indirectement va payer mon propre sinistre. Je fais vite. Et ça, c'est lié à ce qu'on s'est dit ce matin, c'est lié au fait que, il y a de plus en plus d'informations sur vos risques. On a des dispositifs de surveillance, des dispositifs de connaissance du risque qui sont tels, et des dispositifs de projection aussi des variables climatiques qui sont tels qu'aujourd'hui, les assureurs connaissent de mieux en mieux les risques. Voilà. Alors, la conséquence de ces situations, c'est qu'aujourd'hui, vous allez payer le coût de votre risque lorsqu'on parle de wildfire. Et in fine, si on va demander à un assureur de nous assurer sur un risque qui, de son point de vue, est insupportable, il sera capable de vous l'assurer, ce risque, mais un coût qui sera pour vous aussi également insupportable. Et j'en parlais avec des collègues assureurs pas plus tard qu'hier qui me disaient, nous, les lignes produits, elles sont toujours ouvertes sur ces risques, que ce soit la sécheresse en agriculture ou les wildfire, il n'y a pas de problème, on est toujours capable de souscrire. Mais par contre, est-ce que les gens sont encore capables de nous acheter ces contrats? Ça, c'est de moins en moins sûr. Donc, vous voyez, c'est probablement aussi une question de les couvertures d'assurance qui sont un reflet factuel du risque, elles deviennent inaccessibles pour les consommateurs. Alors, du coup, je vais finir la présentation sur quelques éléments, sur quels sont les types de partenariats qu'on peut mener avec l'assureur. Alors, la première chose, c'est de se dire que l'assureur, c'est un tiers expert qui a une analyse de risque qui est aussi qui est la sienne, qui mobilise sa compétence et son expérience, et que ce tiers expert, il peut être hyper intéressant pour vous, pour échanger sur le niveau de risque que vous percevez et que lui perçoit. Donc, croisez les expertises. La deuxième chose, c'est de dire que l'assurance, elle est là pour supporter la partie qui est insupportable pour vous. Et typiquement, si j'ai une activité qui ne supporterait pas la destruction totale de mon site, et mais que je dois payer, par exemple, 40 000 euros de sinistre, 40 000 euros de prime, et que pour protéger mon site contre l'incendie et que je ne suis pas capable d'assumer ces 40 000 euros de prime d'assurance, il faut peut-être que je pense à revoir mon installation ou même revoir la localisation de mon site de production. Donc, c'est un très bon indicateur de est-ce que ma production, là où je la situe, elle est durable ou non. Après, je vous disais qu'il y a de la mutualisation interannuelle. Et aujourd'hui, les assureurs, sur ce type de risque, on peut les voir aussi comme des banquiers. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir à provisionner cette épargne de précaution sur 50 ans pour un sinistre qui arriverait une fois sur 50. Mais vous commencez à payer votre prime et si deux ans après, il y a un sinistre, l'assurance va débloquer ses 50 années potentielles. Donc, ça, c'est plus le rôle de banquier. Je finis. Voilà, donc la fin, elle est très simple. C'est qu'avec l'assureur, vous pouvez aussi avoir des discussions sur... pour trouver le meilleur compromis entre protection, prévention et assurance. Et puis, l'assureur, il est intéressant aussi dans ces phases de transition où on n'a pas encore mis en place tous les dispositifs de protection ou de prévention, mais que le risque, pour autant, est présent et qu'il est insupportable par le gestionnaire de la forêt. Voilà. Merci beaucoup, François.
Je titille Monsieur Rigaud de la Fondation Maïf, mais je vois que les discours se rejoignent et je pense qu'on est assez d'accord sur le constat, mais on voit aussi qu'il y a des voies à creuser. On aura peut-être le temps de prendre une ou deux questions sur le sujet. Avant de passer aux échanges, une dernière intervention. Je vais rester ici, le temps de la lancer. Alors, on a un partenariat avec l'Australie, avec lesquels on travaille beaucoup sur les questions de feux de forêt. Et compte tenu du décalage horaire, il n'était pas possible pour nos collègues australiens d'intervenir maintenant, puisqu'il doit être minuit ou une heure du matin là-bas. On va vous passer un petit film de Karine Dupré, qui est enseignante-chercheuse à l'université de Griffith. C'est à Brisbane, donc dans l'état du Queensland, et qui a travaillé avec les populations. Donc, on va revenir sur cette question de communication et de travail avec les populations. Suite aux incendies, aux grands incendies de l'année dernière, donc 2019-2020 en Australie. Un petit film qui dure 6 petites minutes et puis on prendra quelques questions. Bonjour d'Australie, je suis heureuse de vous présenter les résultats de notre recherche qui concerne en fait les incendies de 2019-2020. Donc, ces incendies ont été terribles puisqu'ils ont détruit plus de 50% de la forêt tropicale dans l'état de Queensland et plus de 80% dans le New South Wales. C'était vraiment la première fois que cette forêt brûlait. Et par ailleurs, évidemment, le feu a ravagé des maisons, des infrastructures, etc. Donc, il y a eu vraiment une première fois et il a fallu mettre en place un plan de reconstruction. Et notre projet, financé par le gouvernement national et l'État de Queensland, consiste à aider la région du Sydney Green à devenir plus résiliente et à se préparer contre les risques naturels grâce au principe de l'apprentissage social et collectif. Donc nous recueillons des témoignages pour les analyser afin d'en tirer des leçons et nous transformons ces leçons en résultats tangibles grâce à un processus de co-création avec la population. À ce jour, nous avons 7 conclusions clés, mais je ne présenterai que 3. Le bon moment parle de l'écart entre ce qui est fait et ce qui est nécessaire, mais surtout du moment où cela est nécessaire. Par exemple, les habitants qui avaient perdu leur maison n'ont pas pu faire face aux requêtes administratives demandées par les agents qui sont venus sur place moins d'une semaine après la catastrophe. Les résidents étaient vraiment sous le choc, le stress, la dévastation, incapables de trouver le sens de devoir prouver leur identité, traiter les demandes, etc. Et une fois qu'ils étaient prêts, les agents étaient partis. Donc là, il y avait vraiment un trop gros décalage. Un autre exemple concerne l'aide alimentaire qui a été vraiment gaspillée au moment du feu, des incendies qui en fait malheureusement ont duré 2-3 mois et qui... Après, quand les feux étaient éteints et que les résidents, notamment qui n'avaient plus leur maison, n'avaient pas à manger non plus, plus rien, là, il n'y avait plus d'aide alimentaire. Donc, encore une fois, ça montre que le timing est vraiment important et que les réponses aux catastrophes doivent être beaucoup plus flexibles et s'adapter aux circonstances locales. Donc, il ne suffit pas de cocher les cases d'une stratégie préétablie ou d'un plan d'urgence, car cela diminue l'efficacité du système. Il a été suggéré qu'un observateur soit présent pour pouvoir identifier les différentes périodes. Un autre résultat montre que la population avec un bon réseau interne et intergénérationnel se rétablira rapidement, beaucoup plus rapidement, et ceci est valable tant pour les individus que les organisations professionnelles. Il est aussi intéressant de noter que de nombreux participants ont mentionné le soutien externe qu'ils ont reçu. Et par exemple, pour les organisations touristiques, cela incluait de nombreux messages d'anciens touristes, même ceux de l'étranger, des messages des anciens bénévoles via le biais des réseaux sociaux. Phénomène assez rare aussi, c'est la première fois qu'on l'a relevé. Il y a aussi cette vague de touristes qui ont réservé à l'avance des nuits d'hôtel, alors que les hôtels avaient été détruits par le feu, que tout était encore fermé et pas encore réparé. Mais du coup, cela a contribué à remonter le moral et à renflouer un peu les caisses, tout en démontrant encore le détournement positif des transactions en ligne.
Donc ce soutien externe a aussi compris tous les pompiers volontaires qui sont venus d'autres États australiens, mais aussi d'autres pays comme les États-Unis et le Canada. Donc CGS montre bien le pouvoir de l'empathie et l'impact de la révolution numérique, et cela pourrait être développé ou utilisé davantage dans les stratégies de résilience et de reconstruction. Enfin, il y a deux éléments qui ont été systématiquement mentionnés par nos participants et qui ne sont pas encore bien abordés et développés dans les stratégies de résilience. Le premier concerne la santé mentale. Elle n'est jamais prioritaire. Près de 90% de nos participants ne l'ont pas inclus dans leur plan de préparation. Et donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. 2 ans après les incendies, on a encore de nombreuses personnes qui souffrent de cauchemars, d'anxiété, qui paniquent dès qu'elles sentent ou qu'elles voient de la fumée. Il y en a même qui essayent encore de se suicider. Donc cela affecte non seulement leur quotidien, mais aussi ceux de leurs proches et de leur réseau professionnel. Le deuxième élément est le fait que la population est consciente du changement climatique et appelle à un vrai changement d'état d'esprit, surtout en utilisant une meilleure utilisation des connaissances traditionnelles aborigènes pour prendre soin des territoires et des forêts. Et ces deux éléments, en fait, santé mentale et connaissances aborigènes, sont vraiment sous-utilisés dans la gestion des catastrophes et pourraient faire la différence dans le futur. Donc, en conclusion, ce que ce projet nous a appris, c'est que ce type de recherche, basé sur la participation et la co-création, contribue également au processus de guérison, tout en permettant à la population de faire entendre sa voix. Les résultats montrent que ce qu'elle a vécu sur le terrain peut améliorer les stratégies de prévention et de management des catastrophes naturelles. Et notre travail particulièrement axé sur les régions touristiques rurales a aussi mis en avant que les ressources actuelles, humaines, mais aussi d'infrastructures, sont souvent calculées sur un compte d'habitants et non pas de touristes qui peuvent tripler la population sur une saison et être complètement ignorant des risques. Notre prochain projet s'attache à découvrir un moyen de relever en fait ces défis-là. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à me contacter par email si vous avez des questions. Voilà, alors je ne sais pas si... C'est bon, on a coupé l'écho, merci. Donc voilà, pour conclure ce point de vue de l'Australie, j'en profite pour dire qu'on a un réseau de recherche et développement sur la thématique des feux de forêt, un partenariat, une communauté entre Français et Australiens que j'anime avec l'ambassade de France en Australie, qui a quelques autres sujets sur le feu en ce moment, vous l'imaginez. Ça ne nous empêche pas de continuer à travailler ensemble. Et donc il y a un réseau de plus d'une bonne centaine de chercheurs en Australie, de chercheurs en France, d'opérationnels. On a des pompiers, 10 de Corse par exemple fait partie de ce réseau, enfin voilà, un réseau assez large de gens qui échangent sur ces thématiques, puisque vous voyez que finalement que ce soit la présentation de Florence Sarano tout à l'heure sur l'expérience dans le Var ou que ce soit ce qui se fait en Australie, on est finalement sur des solutions qui peuvent être très proches malgré la différence de contexte. Il est 17h30 passé, je vous propose qu'on prenne un petit temps de questions, peut-être une petite dizaine de minutes, enfin, selon les besoins. Je ne sais pas si Vincent Demers nous entend du Canada, il nous répondra peut-être. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas qui veut intervenir, la parole est à vous. Si vous pouvez vous présenter. Moi, j'avais une question pour vous. Est-ce que légalement, il serait possible d'augmenter le nombre de jours pendant lesquels l'accès au massif forestier est interdit à n'importe qui ? Est-ce que, quitte à interdire les activités sportives, de tourisme, etc., de restreindre encore plus l'accès au massif forestier pendant les épisodes où l'IFM monte en flèche ? Oui, il n'y a rien qui l'interdit. En fait, c'est les questions en matière de prévention des risques. On appelle ça la police administrative. Et il y a un principe de proportionnalité, en fait. Et il y a assez peu de limites dans les textes sur ce qui est possible de faire ou ce qui n'est pas possible de faire. L'examen de la légalité ou de l'illégalité d'une mesure se juge à l'aune
de la nécessité de la mesure et de la proportionnalité de cette mesure. À partir du moment où vous apportez des restrictions qui ne sont pas nécessaires ou qui sont disproportionnées, elles sont illégales et elles seront annulées en cas de recours par le juge. Mais typiquement, l'augmentation des durées ou la réforme, parce que c'est pas qu'une question de, c'est pas un nombre de jours, mais c'est aussi en fonction du risque, etc. Mais la question des accès aux massifs, on pourrait tout à fait renforcer, rendre plus strict le système à partir du moment où on peut le justifier par des éléments tangibles en cas de contentieux. Et on pourrait effectivement, au vu du changement climatique, aller vers des dispositifs plus stricts et voilà, sans problème. Merci. Une autre question ou réflexion ? C'est plus un complément. Alors, vous allez penser que je radote, mais je reviens sur l'histoire de la mesure. Oui, je reviens sur l'histoire de la mesure de l'efficacité de ce qu'on cherche à faire. Hein. Pas forcément. On se rend compte qu'on a beaucoup longtemps. Nous, on travaille sur plein de sujets de prévention, pas que le feu. Hein. Et on se rend compte sur tous ces sujets-là qu'on a souvent pensé qu'on était un homo economicus, maximisateur d'intérêt. Autrement dit, qu'on a raisonné de manière rationnelle. En fait, toutes nos études montrent que ce n'est pas du tout le cas. Que pendant des années et des années, on a fait des campagnes contre le tabagisme, avec des taux de tabagisme colossaux, et que depuis quelques années, on n'en fait plus, et le tabagisme baisse. Et que ce qui semble évident ne l'est pas tant que ça. On a travaillé, par exemple, sur, je prends juste cet exemple-là, sur le port de la ceinture dans l'écart scolaire, avec des campagnes depuis des années, voire des dizaines d'années, de sensibilisation, de communication, et le taux était toujours, de, chez les 10-14 ans, de 10%, avant, pendant, après. Et qu'en fait, ça ne fonctionnait pas. Et qu'en fait, on ne pouvait agir sur certaines choses que par des biais ou par des choses qui touchent plus aux sciences comportementales, aux sciences cognitives, qui sont plus subtiles. Et c'est ça l'intérêt de la mesure, c'est-à-dire de se dire, chaque fois que je dépense, vous le disiez très bien tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un nombre d'euros limité, et à un moment, il faut choisir son combat avec l'argent qu'on a. Et en gros, en prévention, par exemple, si je mets 10 euros sur la table, ces 10 euros seront le mieux utilisés où ? Avec le plus d'efficacité. Et ça, si on ne mesure pas l'impact de ce qu'on fait, eh ben, on fait beaucoup de choses qui, parfois, ne sont pas extrêmement efficaces sur la durée. Voilà, c'est juste ça ce que je voulais dire. Et je pense que c'est une vraie réflexion à avoir. Et on l'a vu dans l'exemple australien, il y a un vrai travail de mesure hein, posteriori. Je pense qu'il faut qu'on fasse ce travail-là, y compris sur les actions de prévention, pour voir celles qui marchent, celles qui fonctionnent. Voilà. Merci pour cette réflexion qui est tout à fait complémentaire. Est-ce que quelqu'un veut réagir là-dessus ? Je ne sais pas si on a des spécialistes des sciences humaines et sociales et de non, dans la salle, peut-être pas. Bien. Y a-t-il d'autres questions ? D'autres... Oui, Charles ? C'est juste une remarque pour me réjouir, parce qu'il faut savoir se réjouir. Et je voulais saluer le propos du colonel Chassaigne tout à l'heure sur la dimension d'interministérialité. Interministérialité, vous avez dit, au niveau national et aussi au niveau territorial. Et je pense qu'effectivement, avec les questions de feu de forêt, on est sur un sujet où il faut que tous les ministères à tous les niveaux travaillent complètement ensemble. Et je suis heureux que vous l'ayez dit. Colonel, ça sera un combat, mais il faut le mener. On compte sur vous. C'est un vrai. C'est bien reçu. C'est un vrai sujet qui est. Alors, évidemment, dit comme ça, ça paraît simple. Je vais prendre un exemple pour illustrer ça. J'anime maintenant, Eric Rigolo est parti, mais c'est lui qui a créé le réseau des praticiens de l'emploi du feu, qu'on appelait réseau du brûlage dirigé avant. J'en ai repris l'animation depuis 2 ans maintenant. C'est un réseau de quoi ? De professionnels qui utilisent le feu comme moyen de prévention contre le risque de forêt. On brûle l'hiver pour éviter que ça brûle l'été. Et dans ce réseau, il y a des forestiers, il y a des pompiers, et puis il y a des agriculteurs, les chambres d'agriculture, il y a des gens qui aménagent les parcs, donc les environnementalistes. Et en fait, une des difficultés majeures qu'on a, c'est qu'il y a une réglementation qui a été construite il y a une vingtaine d'années. On a fait un arrêté interministériel entre donc le ministère de l'Intérieur, parce que c'est pompiers, c'est de la sécurité civile, et le ministère de l'Agriculture, puisque c'est de la gestion du territoire et ça se passe dans des espaces forestiers et agricoles. Et aujourd'hui, pour refondre cet arrêté qui n'est plus d'actualité, parce que les choses ont évolué, bah c'est tout simplement impossible parce qu'on n'arrive pas à trouver les bons interlocuteurs, et Fabrice, tu sais très bien de quoi je parle, dans les ministères, et puis que ce qui intéresse un ministère n'intéresse pas forcément l'autre, voire ce qui intéresse une direction générale n'intéresse pas forcément une autre direction
général. Donc c'est un vrai sujet et c'est évidemment beaucoup plus compliqué que, qu'il n'y paraît. Je ne vais pas te demander de répondre là-dessus parce que... non mais en plus, enfin, pour compléter aussi, il y a plein d'autres actions transverses dont on se dit mais qui pourrait s'occuper de ça ? Les approches, je ne sais pas si c'est nord-américaine, mais en Australie, ils le font. C'est-à-dire que chaque citoyen, normalement, il est informé, il se prépare et il agit. En fait. Il y a une espèce de mécanique comme ça où il sait où est-ce qu'il habite, il est préparé à ce qui va se passer. Et il agit parce qu'il a connaissance de ce qu'il faut faire, en fait. Moi, enfin, de mon petit, tout petit point de vue, j'ai l'impression qu'en fait, ça, c'est pas, on rejoint les, ça se recoupe avec la culture de risque et ce genre de choses. Mais en fait, on est loin, loin derrière. Ou même, je reprends les services certains services d'incendie et de secours dans certains pays qui font de la démarche de prospective auprès des particuliers pour les guider sur, je vais forcer un peu le trait, mais... mettez des géraniums plutôt que de l'herbe, enfin, de manière à montrer aux gens les potentielles continuités végétales pour protéger leur habitation. Enfin, voilà. Il y a les services d'incendie et de secours qui font ça et qui sont sous forme d'association, enfin, peu importe. Mais en fait, il y a un lien qui se fait entre les services d'incendie et de secours, la sécurité civile, autrement que par la lutte. En fait. On est aussi acteur de la prévention et potentiellement aussi de la restauration. Alors que chez nous, j'ai l'impression, peut-être à tort, que tout est quand même très, très ensilé, en fait. Dans le cadre des projets de construction, il y a des consultations des différents services, des projets de construction dans l'instruction des permis de construire. Il y a des consultations, notamment des SDIS, et ils peuvent émettre des avis à cette occasion, mais encore faut-il qu'il y ait cette procédure du permis de construire, et ce ne sera pas juste pour le choix d'un arbitrage entre pelouse et géranium, oui. Mais sur des questions un peu plus dimensionnantes, structurantes, il y a un peu quand même d'inter-service. Je me suis mal exprimé, c'est-à-dire que moi c'était de l'accompagnement du résident en fait, c'est-à-dire pas dans le cadre des projets et des nouveaux projets. J'imagine effectivement que toutes ces règles-là sont respectées, mais annuellement ou tous les 5 ans en fait, une espèce de démarche d'un service de sécurité qui viendrait dire à un quartier, voilà, bah tiens, regardez madame. Là, votre haie de cyprès, elle a quand même vachement bien poussé. Même si c'est de l'ornemental, en fait, il y a un risque quand même pour la propagation. Et votre maison est peut-être moins protégée qu'elle l'était il y a 5 ans. On n'est plus dans la conception, en fait, mais vraiment dans l'échange qu'on doit maintenir pour informer, préparer les gens à ce qu'ils agissent. Enfin, mais ça, c'est un point de vue assez personnel. Très bien, merci. Je vous propose de conclure sur ces mots. Alors, en général, Charles fait ça très bien, les conclusions de ce type de rencontre. Je vais m'essayer à l'exercice, et certainement avec moins de bouillot que Charles. Mais moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est que, alors certes, on voit que tout n'est pas réglé. On a vu ce matin, évidemment, que le risque, tout le monde est conscient du fait qu'il ne va faire qu'augmenter. Aujourd'hui, il y a quand même un certain consensus. Et malgré la différence, voire l'opposition totale des points de vue qui sont venus, enfin, des profils des gens qui se sont exprimés cet après-midi, il y a déjà une convergence sur le constat et sur les moyens de solutionner le problème, s'il peut être solutionné, et aussi un certain consensus sur les verrous qu'on a. Donc je crois que c'est déjà un premier pas, c'est qu'on est capable ensemble, avec des profils très variés, d'identifier les verrous. Et puis alors, on n'est pas allé très en détail sur les solutions technologiques, c'était un peu plus l'objet des présentations qu'il y a eu en début d'après-midi, des discussions peut-être demain, mais il y a des solutions technologiques aujourd'hui qui vont nous apporter une partie de la réponse. Et puis il y a, moi c'est ce que j'aimerais retenir, des solutions qui ne sont pas de l'ordre technologique, mais qui ont été développées cet après-midi, qui sont de l'ordre de l'engagement de la population, de la sensibilisation, qui sont de l'ordre du travail en interservice, qui sont de l'ordre de la réflexion sur un territoire pour trouver les meilleures solutions. Donc je crois qu'aujourd'hui, on est dans une nouvelle voie, la voie de « on partage un constat et on sort du tout réponse, tout lutte contre le feu de forêt » pour investir beaucoup plus massivement et beaucoup plus de façon cohérente sur la prévention. J'ose espérer qu'avec ce type d'échange, on aura ouvert cette voie et on aura enfoncé le clou. Alors, j'aimerais d'abord conclure en remerciant très sincèrement tous ceux qui sont venus rester jusqu'à la fin de cet après-midi, nos intervenants qui sont venus et alors qu'ils ont beaucoup de choses à faire, nous ont fait le plaisir de partager leur point de vue. Je vais vous demander de les applaudir, s'il vous plaît. Et puis je vous invite alors soit pour suivre les échanges à l'extérieur, soit vous diriger pour ceux qui restent avec nous vers The Camp où on a la soirée qui va démarrer d'ici une petite demi-heure je pense.
Et puis quoi qu'il en soit, je serai heureux de vous retrouver très rapidement. Merci encore et bonne soirée.